Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, on va vite faire les choses très bien parce que je travaille, je n'ai pas trop le temps. Vous allez partager. Vous avez lu le petit post que j'ai fait avant. Vous allez partager au maximum et vous allez mettre les pouces. Ce que je vous demande le plus, c'est de mettre les cœurs. Et les pouces bleus, parce que tous mes murs sont attaqués. Alors, on fait le travail. J'ai demandé quoi? Pouces, cœur. Allez-y, faites vite. Pardon. Avec. On va vite faire bien. Faites les pouces et cœur. Pouces et cœur, parce que c'est attaqué. Toutes mes pages sont attaquées. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont écrit. Même dans mes commentaires, Porsche, tu nous manques, pourquoi tu ne nous parles plus comme avant? On a besoin de toi, nos enfants, tout ça et tout et tout. Voilà. Protéger mes pages. Protéger mes pages. Je suis signalée, attaquée par tous ces bandes de femmes frustrées qui parlent de moi en longueur de journée. J'ai été claire, je ne suis pas leur camarade. Et ça ne se discute pas et ça ne ment pas. Donc, sur ce fait, les intimidations, je vois un homme en tenue venir écrire sur mon mur. C'est marqué garde présidentielle. Vous pouvez lire ça sur mon mur. Il fait comme s'il veut me menacer. Je lui ai demandé que, oh, vous faites quoi là, vous me menacez? Il me dit à très bientôt. Il dit à très très bientôt, plus vite qu'il ne pense. Vous ne pouvez pas utiliser la force. Vous mangez l'argent d'une personne. Tant je lui ai dit, monsieur, écoutez-moi très bien, je vais être clair. Et maintenant, pour tous les internautes, je vais être clair sur un point. Vous avez vu, il n'y a pas de musique. Je passe au vif du sujet et je vais être très brutal. Tant vous me voyez, moi, à mon goût, en direct, parler de quelque chose, ça veut dire qu'il y a des tenants et des aboutissants. Il y a des preuves. Il y a quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais partagez, vous faites quoi là? Partagez, faites un tour de partage. Ça ne m'arrange pas. C'est comment? Appelez-moi ma porteuse de sac. Qu'elle parte appeler son gars qui est un homme marié officiellement. Homme marié officiellement parce qu'on m'a envoyé des photos de sa femme. Il paraît qu'elle est à Lyon. Mais je ne peux pas parler à ma soeur. Parce que c'est ce que nous souffrons avec ces hommes. Ces petits gigolos de bas étage. Ces petits gigolos de bas étage qui ne peuvent même pas se respecter. Qu'est-ce qu'un homme? Bienvenue le lion, c'est comment? Qu'est-ce qu'un homme peut faire dans les affaires des femmes? Au point à venir menacer et parler. Alors faites un tour. Pardon, ne faites pas comme vous. Ne m'énervez pas. Pardon, faites un tour. Déjà, le direct était prévu pour hier. On n'a pas pu hier parce que notre champion. Le champion du monde, quand je vous parle, coucou Sylvie Moundé, c'est comment tata de moi? Quand je vous parle, vous n'entendez pas. Elika de Dieu, bonsoir. Anti Fifi, bonsoir. Bon, je vais vous dire bonsoir, vous tous, si bien que j'ai le nom. Mettez les cœurs, Japap de ça, bonsoir. Mettez les cœurs, protégez mon direct et je vais lui dire deux mots. À ces hommes qui manquent de respect aux femmes. Il n'a pas su que j'étais une féministe et que c'est de lui que je parle tout le temps dans mes directs. Ces hommes qui n'ont même pas un peu de retenue. Au fait, écrivez-moi, il est quoi? Il est journaliste ou il est animateur? Monsieur, vous êtes quoi? Direction assistée, bonsoir. La métisse FDL, bonsoir. Partagez, partagez, il y a quoi? Faites un tour, partagez, se fait pas tard. Sylvie, dedans, c'est comment, chérie de moi? J'ai dit que partagez. Reine des Boucou, bonsoir. L'œil noir, bonsoir. La métisse, bonsoir. Souper, bonsoir. Partagez avant que je commence. Je peux rien mettre, je ne peux rien faire. Monsieur, non, avant de commencer, je vais féliciter le champion du continent, le champion de l'histoire, Francis Ngannou. Il tape les gens pour vivre. Oui, mon chéri, tu as fait ça dur, tu as gagné. Mais c'est de ça que je vous parle souvent, le système. C'est le système qui nous amène là aujourd'hui. Ça veut dire que le monde entier est au courant.
Et moi, je demande à tout le monde qui suit ce direct, mettez Francis Ngannou dans votre mur, réclamez sa victoire. On ne réclame pas, mais dites qu'il a gagné. C'est que la terre est au courant que Francis a gagné. Mais c'est le système dans lequel nous vivons hors du continent. Et vous voulez me dire qu'il y a ceux qui sont assis, qui veulent faire la loi, et l'autre menace? Non. C'est-à-dire que moi-même, le direct, là, j'ai dit que non, j'étais à fond. Fanny Bondi, apparemment, c'était là. Apparemment, quoi? Attends, je te bloque d'abord. Il y a longtemps, je ne t'avais plus vu. Je suis ton professeur de français. Yann Meunier, regarde-moi celle-là. Apparemment, Stella, c'est là, c'est un constat. Regarde-moi ça. Ça fait 5 ans que tu as un faux profil. Vert ou jaune. Je ne vais pas commencer par toi parce que je vais aller fort. Donc, je commence pas. Ça fait 10 ans que tu as un faux profil. Si c'est Fanny, quoi, là. Je suis ton professeur de français. Moi, je suis ton professeur de français. Oh, il y a la faute. Et ça fait quoi? Je vous ai dit que je donnais cours à la Sorbonne comme professeur de français. Une manière. Vous vous ennuyez? Vous vous trompez de page ou pas? Vous faites ça à qui? J'ai dit que partagez-moi ça. Partagez-moi le direct là. Cœur. Vous faites quoi? Je ne vois pas les cœurs. Vous ne comprenez pas que toutes mes pages sont attaquées. Ou bien vous faites ça sciemment. Non. Dites-moi, si vous voyez qu'on n'est pas prêt, on laisse. On revient autre jour. Parce que ce journaliste a menacé Clarisse. Il appelle Clarisse, il joue à la petite star. Non, est-ce que je commence par là? Mes chers sœurs et frères, vous savez, moi je m'adresse aux femmes maintenant. Moi, ce qui me fait de la peine là, c'est que c'est les hommes là. Quand mes sœurs, je vous parle que dans les maisons où nous les avons, vous pensez que je blague. Ce sont ces hommes là. Ce sont ces hommes là. J'ai dit que faites un tour de partage. Ce sont eux, regarde-moi celui-là. Les hommes sans valeur, légalement mariés. J'aurais dû apprendre que sa femme est allée, on m'a envoyé les photos. On m'a dit ce qu'elle faisait. Mais ma soeur, moi je ne t'en veux pas. Et je ne peux même pas parler de toi négativement. C'est comme ça qu'on peut les prendre. Ce sont ces hommes-là qui nous humilient en public. Ça veut dire que pour sa maîtresse, il est prêt à se ridiculiser. D'accord? Le nettoyeur des bureaux, le chauffeur des autorités, qui entre dans les bureaux pour se faire voir. Mais tu veux jouer avec mes nerfs ou quoi? Tu dis que Clarisse est dans ton champ de mie, mais tu es dans mon champ de mie, moi aussi, chérie. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Tu es entré dans le bureau d'une autorité pour aller demander pardon, pour qu'on ne couvre pas ce que tu appelles Nga. D'accord? Et le nom de cette autorité s'est retrouvé partout dans les réseaux sociaux, qui la niasse avec. Alors que tu connais que c'est toi qui monte dessus. Donc tu penses que tu peux, toi le chauffeur, laveur de voiture, tu peux tirer avec une gars, l'autorité qui est ton chef, ton patron, que tu pars là-bas, tu nettoies les tables, tu brosses les murs, tu frottes les fenêtres, tu enlèves la poussière, tire aussi. Tu ne pouvais pas sortir, dire à ton gars, dis qu'on arrête de parler ça que je ne connais pas, puisque c'est avec toi Kenyas. Mais je demande, vous faites même quoi comme ça, vous foutez de qui? Donc tu parlais de champ de tir. Écoute-moi, je te regardais avec le même depuis. D'accord, Ndurungume. Parce que tu étais un Ndurungume. Tu es journaliste ou bien tu es quoi, animateur ou ne dis? Tu n'as pas honte? Ton nom se retrouve dans les problèmes des femmes. Je ne te connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de toi. C'est à cause des gélules qu'on entend pas dans les réseaux sociaux parce qu'on dit que tu sors avec une gars, la plus sale femme camerounaise qui pisse sur elle. Et tu te vantes la honte d'une tribu. Et tu te vantes, si tu viens que tu te montres, tu appelles Clarisse, tu l'intimides, tu la menaces, tu bois quoi, elle nous dit. Tu connais comment je m'appelle? Je m'appelle Stella Macron, Sarkozy, Hollande, Donald Trump. Oya, tu as entendu? Tu portes un nom parce qu'on t'a nommé, tu penses que, je dis que vert ou jaune, tu bois quoi, le pétrole? Tu as compris mon nom? Je m'appelle Stella Macron, Sarkozy, Poutine, Donald Trump, Yann Meunier. Regarde-moi ce petit poltron. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas honte, tu ne peux pas respecter la femme que tu as épousée. Petit gigolo de ton espèce. C'est toi qui as pris les 100 000 là. Tu joues avec qui? Ne menace pas Clarisse, attaque-toi à moi. Menace-moi. Menace-moi, tu vas menacer qui, Clarisse? Tu l'as dit que tu venais à Douala. Tu es arrivé ou pas? Tu es déjà à Douala ou pas? Son mari même avait une main là. Elle les en bas. Ce qui va te faire.
Ce que vous faites à sa femme depuis là, ce qui va te faire. Le même numéro qui a envoyé l'argent, que Clarisse a envoyé l'argent il y a 2 ans, c'est le même numéro qui appelle Clarisse il y a 4 jours pour la menacer. Vous avez compris avec quoi? Voilà encore une dame qui dit que ma soeur, pourtant, on ne paye pas le loyer ou bien j'ai payé les gélules. Elle dit qu'elle avait envoyé 150 euros à ta soeur. À qui? À ma soeur. Va lui dire merci qu'elle envoie encore le problème. Dis-lui qu'elle avait envoyé combien à ma soeur? 134 euros. Où est le problème? Tu veux qu'elle parle fort? Tu as bien dit à ma soeur, non? Tu as dit qu'elle avait envoyé à moi. Si elle avait envoyé à ma soeur, où est le problème? Quand je vous dis que vous avez le truc blanc là versé dans vos cerveaux, on parle de trucs importants. Elle dit qu'elle avait envoyé 135. Va lui dire qu'elle arrête d'envoyer sa fille d'aller voler l'argent dans le compte qu'un Camerounais s'est levé conscient. Il a dit, j'ouvre un compte à un enfant. Pourquoi à 18 ans? Parce que j'ai le même système que ce monsieur Fodja. J'ai fait ça pour mes enfants. Parce que quand je suis arrivée, toute jeune, hors de mon pays, j'ai rencontré une dame entière. J'ai vu sa fille de 18 ans. Elle avait 18 ans. Et son compte était blindé. Elle a pris un appartement. Elle a payé sa voiture. Ça m'a tué. J'ai dit que je ferais pareil pour mes 3 enfants. Et je fais pareil. Alors va dire à ta pisseuse là, la sale Camerounaise, la honteuse de Baganté, de tout l'Ouest, et la poubelle de l'Europe, que j'ai dit qu'avant d'envoyer l'argent à ma soeur, qu'elle se prenne à manger et qu'elle mange. Va lui dire que j'ai dit ça. Parce qu'à Osier, tu as compris un peu, toi qui m'écris le français des Blancs, c'est de vous que je parle. Tu es la femme, tu es une des femmes, c'est vous les femmes là, que les hommes manquent de respect comme cet imbécile qu'on appelle animateur, journaliste. C'est un Ndurungum, je ne sais pas ce qu'il est. C'est vous là. Parce que cet homme est légalement marié. Une sœur, une de nous, l'a épousé légalement. Il se bavane partout. On entend son nom partout. De saleté en saleté. Hein? Vous faites ça à qui? Vous ne connaissez pas où vous êtes. Vous ne connaissez pas qui est devant vous. Est-ce que je suis comme les autres? J'entends les pleurs dehors partout. Ngoho, elle fait ça parce qu'on a dit qu'elle était en prison. Et l'envers où je me biche. Tu ne connais pas où on vole. Je ne t'avais pas interdit de ne pas toucher un Africain ou tes frères et soeurs. Va aussi, non? Je vais fermer la porte. Il y a une manière. Je vois les petites pleureuses dehors, les sales femmes qui se mettent debout. L'autre met sa va. Elle dit, regardez comment elle suit. Regardez-moi. Elle a fait le njansan. Elle montre sa face. J'ai les rides. Regarde-moi ça. Tu sais pas si on les femmes ou c'est les hommes. Vous parlez à qui? À l'enfant d'amour. Qui? 3 enfants, ventre plat, derrière, bien le... Maman, debout, tu parles à qui? Je ne suis pas votre camarade. Les trucs qu'on fait dans les réseaux, allez faire ça là-bas entre vous. Nous sommes de Paris, nous sommes de Reims, nous sommes du Canada, des States. J'ai dit que je ne suis pas votre camarade. C'est forcé. L'autre écrit qu'un gars avait envoyé à ta soeur. Dis-lui qu'avant d'envoyer à ma soeur, qu'elle mange. Dis-lui que ma soeur est chez elle, avec ses enfants, dans une maison dans la barrière. Bimté. Ok, elle se pavane comme le mauvais air. On apprend dehors partout que l'enfant va voler les 500, l'enfant soutient là dans le compte. Un enfant qui ne connaît pas faire ça. Les enfants ne font quoi avec 500 euros? Ils ont besoin de 5 euros, 10 euros d'argent de poche pour payer les bonbons à cet âge-là. Vous parlez à qui? Quand on éduquait les enfants, si je dis à mon fils de prendre la carte de son père et d'aller faire les coups, il va me dire, maman, je ne peux pas les faire. Parce que je l'ai éduqué. On ne fait pas certaines choses et il a ça en valeur. Regarde-moi cela. Il y a un gars qui a gratté son corps. On vous a défendu de vous laver une vitamine, sale femme. Vous parlez à qui? Vous voulez intimider qui? Monsieur le journaliste, vous avez reçu les 100 000 là. C'est vous qui avez pris les 100. Les 100 000 ont été envoyés en votre nom. Quand vous aimez chercher les problèmes, vous mêlez des choses. Est-ce qu'on vous a réclamé 100 000? Monsieur le journaliste de Ouessi, de Montzout, est-ce qu'on vous a réclamé 100 000 francs? Est-ce qu'on a dit que c'est vous qui avez mangé les 100 000 francs? Dans la plainte, il était stimulé que c'est vous qui avez reçu. Ça veut dire que c'est passé par vous. Et c'est un fait, c'est qui est ça? C'est sur mon mur, ça fait depuis 2021, monsieur. Vous ne saviez pas qu'elle avait ça. Vous ne saviez pas qu'elle avait ça. C'est comment, Valoche? Vous n'étiez pas au courant qu'elle avait ça.
Non, vous ne, puisque vous lui avez demandé ça, envoie-moi la preuve. Après 2 ans et plus et demi, vous étiez sûr qu'il n'y avait plus de preuve. Vous n'avez pas compris que j'ai bien fait les choses, monsieur. Mais c'est moi là, je ne suis pas comme votre, je vais l'appeler quoi, votre maîtresse. Non, ce n'est pas le même couloir. Vous avez une femme de votre tribu qui est devant vous. Et dans ma tête, ce n'est pas l'eau blanche qu'on avale là qui sort dans votre corps. Non, il y a quelque chose là-dedans. Je ne suis pas allée derrière, je suis allée droit, abîmée. Devant tous les Camerounais, je vous interdis. Je vous le dis là devant monsieur le journaliste Mimban. Parce que je porte ce que vous avez entre vos jambes. Moi, je les porte. Alors, je vous mets devant là pour vous dire. Appelez encore Clarisse si vous êtes un homme. Essayez encore de menacer Clarisse. Vous l'avez appelée avec le même numéro. Qu'elle vous envoyait l'argent il y a 2 ans et demi. Anti. On peut amener les gens dans un couloir comme ça. Je dis, vous l'avez appelée avec... J'ai flouté votre numéro parce que je ne veux pas le mettre devant les Camerounais. Selon la loi, je suis condamnable. Mais j'aurais pu le faire. Tous ceux qui me regardent, tous ceux qui vous connaissent, ils ont vu votre numéro. C'est sur mon mur. Ils ont vu les premiers chiffres de votre numéro. C'est votre numéro que vous avez aujourd'hui depuis des années. C'est le même numéro qui appelait Clarisse avant-hier pour la menacer. Et c'est le même numéro qu'elle envoyait l'argent il y a 2 ans. C'est quoi? Est-ce qu'on vous a dit un jour en direct quand vous portez plainte parce que vous avez mangé l'argent de Clarisse? On vous a dit que dans la plainte, il y a votre nom parce que les 100 000 vous ont été remis. Ouais. Tu veux que je parle encore là? Oh. C'est bien votre nom. Claude, c'est son nom. Comment? Il joue avec qui? C'est quoi l'intimidation là? Tu veux intimider qui? Hein? Vous faites quoi comme ça? Il n'est pas commencé. Je coupe comme ça, on arrête comme ça. C'est bon, on s'est tout dit. Faites un tour, pardon. J'ai dit cœur et partage. Vous voyez les petites chaînes sorties, j'ai passé partout. J'ai été clair dans ces réseaux. Celui qui m'appelle, ça veut dire qu'il porte mon sac. Parce que moi, je ne peux jamais vous appeler. Je ne peux jamais vous appeler saleté. Vous m'appelez, vous faites le L pour détester, vous combattez. La différence, c'est que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a femme devant vous. Insulté à 100, 300, 1 million, je ne bouge pas. Maintenant, je suis assise comme vous voyez là, moi là comme ça. Ouais, et ça ne chauffe pas. Monsieur, vous prenez pour qui? Je suis en train de faire le journal de 20 heures à votre place. Vous vous prenez pour qui? Alors, je vais faire les Camerounais vous écouter, puisque vous avez appelé Clarisse Yinga. Vous l'avez enregistré. Vous êtes allé donner à votre concubine. On a mis dans les réseaux sociaux. Elle m'appelle, Madame Stella. Le coup de fil qu'on a eu avec monsieur se retrouve dans les réseaux sociaux. Mais je peux faire, moi je suis franche. Vous l'avez prévenu que vous allez l'enregistrer. Et vous l'avez fait. Mais je croyais que c'était parce que vous voulez garder une preuve. Regardez comment vous êtes petit, homme au cerveau d'oiseau. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Ce que vous avez entre vos jambes, c'est moi qui les porte. Vous avez couru kounia comme l'ongoué pour aller mettre ça là-bas dans les réseaux sociaux. Vous voulez prouver quoi? Ce que vous avez couru faire dans les réseaux sociaux, ce que je suis en train de faire, vous voulez prouver quoi? On va vous écouter. Oui, de nom. De nom. On a jamais. Écoutez bien. Il dit qu'il porte le nom d'un champion, d'un héros de l'histoire de l'Afrique. On n'a jamais traité ensemble une affaire de gelée. C'est pour ça que je dis je vous connais de nom, parce que j'ai eu à faire un dépôt de 100 000 francs à un numéro qui m'a été donné et le nom qui s'affichait, c'était Paul Désy Biya. C'est pour ça que je dis de nom. Non, mon nom, je n'ai pas de nom Paul Désy Biya sur Orange. Bah, j'ai la capture, je peux encore, si vous voulez, si vous avez WhatsApp, je pourrais vous transférer la capture. Oui, envoie-moi ça. Vous avez dit que le nom qui s'affiche, c'est Paul Désy Biya, c'est ça? Je vais vous envoyer le nom qui s'est affiché, ne vous dérange pas. Je mets ce voice parce qu'il est déjà dans Congo, ça vient depuis quelques jours.
C'est ce monsieur qui a pris ça. Il a couru à les mettre. Monsieur, je vous ai dit que je m'appelle Stella Macron, Sarkozy, Donald Trump, Poutine et tout ce que vous voulez. Vers où j'en ai lent. Vous avez compris avec quoi? Le nom que vous portez, on ne peut pas le respecter. Espèce de tapette. Petit gigole. La famine va vous tuer là-bas. Vous dites qu'elle est sur votre champ de tir. Regardez à votre gauche, à votre droite, devant, derrière, vous allez comprendre. Et vous le savez, non? Je vais vous envoyer. Oui. Et je vous envoie aussi le nom que la dame m'avait donné, parce que je lui avais demandé quel est le nom qui s'affiche. Oui, vous avez traité une affaire de gérer avec moi quand? Parce que j'entends mon nom qui est cité. Je suis... Monsieur, vous vous prenez même pour qui? Vous vous prenez pour qui, petite tapette? J'ai dit qu'aucun Camerounais ne vous connaissait, on vous a connu à cause des gélules. Y'a, Zeben, y'a même quoi? Je sais, fille du Mbam, pardon. C'est mon seul défaut, maman. Acceptez-moi comme ça. Laisse que les autres, les fumeuses, là, racontent leur vie privée. Ce n'est que ça que, maman. Quand je suis stressée, c'est comme ça. Je suis désolée. Je me suis excusée un million de fois. Acceptez-moi comme ça, pardon. Regarde-moi celui-là, y'a une nénière. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi un petit villageois, un dindon. Hein? Vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes tombé sur Clarisse, une fille douce, polie, bien élevée, qui parle bien, qui prend son temps. C'est pour ça que vous faites ça. Ouais, il fallait que ce soit un amoureux. J'allais te dire que, regarde, tu prends ton téléphone, tu m'appelles pour me demander quoi? Tu l'appelles Wallon, elle t'a dit un jour qu'elle t'a porté plainte. Tu n'es pas marié légalement. Oh, nous les femmes, quand je vous dis qu'on doit se soutenir, vous ne comprenez pas. Regardez ce qu'ils nous font, ces hommes. Regardez ce que ces hommes nous font. Cet homme est marié légalement. Hein? N'est-ce pas, ma soeur Vanessa Liliane? Maman, mieux vaut. Arrêtez un peu de faire les trucs qu'on faisait en 1930. Pardon, ce n'est plus l'époque là. Femme très soumise, je connais faire la part des choses. Mais ce n'est que ma part, donc supporter comme ça. Que de puissant en direct sur moi. Hein? C'est quoi ça? On vit où là? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi, mes soeurs? Hein? C'est comment Clarisse est une femme comme vous, non? Maintenant, ça, c'est l'anga qui l'a traumatisé pendant. Je dis depuis 2021. Le duo maintenant dit en suspense. Il dit en suspension, si bien qu'il dit à Clarisse qu'il va arriver à Douala. Il a d'autres méthodes. Tu t'es pris pour Martinez Oro. Antiana, Mogumo, Ouya. Tu as pensé que tu étais qui? Tu fais quoi les films dans ton cerveau d'oiseau? Tu t'es pris pour qui? On t'a connu à cause des gelules. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Il y a les Bidjan là, les Bruno Bidjan là, qui sont les journalistes qui ne sont pas de la CIA-TV. Il y a tous les journalistes de la CIA-TV qu'on connaît tous, tout là. Même les journalistes, toi qui te connaissais, on ne dit. Il y a même les sièges Tamba que tout le monde connaît là. Il y a les Dexter. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Abimte. C'est quoi ça? Tu ne peux pas te respecter? Tu veux te faire voir? Montrer à Tanga que tu la soutiens trop? Appeler Clarisse pour la Sissia? Tu bois quoi? Ou à nous dire au Dongtol nga? Tu as bu quoi, le Dongtol? Tu te prends pour qui? Essaye encore. Parce que tes messages là, tu connais où Clarisse dort, non? Est-ce que ouais, tu as dit que tu partais à Douala, que tu es en train d'arriver là-bas? Que les méthodes que nous on a là, vous avez d'autres méthodes. Tu as d'autres méthodes plus efficaces. Yen menien. Yen menien. Tes méthodes efficaces, c'est quoi? Tu as dormi, tu as un peu rêvé, tu te dis que je peux être un héros. Ou bien je peux aussi faire comme ma. Regarde-moi celui-là. Yen menien. Regarde-moi ça. Je dis que son mari avait son bras là-bas. Il va. On devait d'abord te taper. Si tu étais un garçon, tu n'es pas encore arrivé à Douala. Tu as dit que tu es arrivé à Douala. Tu n'es pas encore arrivé à Douala. Tu es surpris ou tu es là, tu es en train de pisser sur toi comme Tanga Pissuel. Parce que tu ne savais pas que j'avais d'abord ce que j'ai mis sur mon mur. Puisque tu demandais ça à Clarisse. Et quelqu'un ne te donne pas. On t'a dit que j'étais derrière. Manga Kumbus. Tu ris avec qui? Si tu avais un peu d'estime pour ceux qui sont autour de toi, tu ne venais pas t'attaquer à moi. Parce que tu sais que Clarisse, c'est moi. Tu veux jouer? Tu veux jouer Wainawa? Tu veux jouer avec moi? Alors on va jouer le pouspion. Si tu es un homme, tu te mets debout que tu vas couille, Nawa veut me nyolo, appelle encore Clarisse, tu la menaces.
Parce qu'elle t'a bloqué, tu as pris un autre numéro aujourd'hui. Les messages que je viens de mettre sur mon mur là, une heure avant, 30 minutes avant de faire le direct, c'est le dernier message que tu as pris le numéro pour l'écrire. C'est quoi, Wambara? Attends, je suis en train d'arriver. Wambara. Regarde-moi la honte des hommes. Sous-hommes. Les problèmes des femmes, ton nom est cité partout et tu portes le nom d'un noble de l'histoire. D'un noble. On appelle ça partout. Usurpateur, voleur de nom. Je t'ai dit que je m'appelais Macron, Sarkozy, Poutine. Tous les noms des présents que tu veux, langue vert ou jaune, tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu menaces qui? Marie-Sandra veut partir, Chen Fek veut participer. Toutes les femmes ont recommencé à m'envoyer les gélules qu'elles ont vendues, qu'elles ont payées, avec les prix. Vous vous prenez pour qui? Tu lui demandes que quel nom a envoyé l'argent? Quel don? C'est ta copine qui a envoyé le nom, ton nom et ton numéro de portable pour qu'on t'envoie l'argent. Et cet argent t'a été envoyé il y a 2 ans. Mangalomwa, il y a 2 ans qu'on t'a envoyé les 100 000. Dans la plainte, il est dit que on m'avait demandé de faire un dépôt de 100 000. J'ai fait à ce nom. C'est ton nom qui est cité dedans. Je peux même pas t'appeler parce que Wena, j'ai envie de beurre. Je ne paye pas n'importe qui. Non. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tu sortais pourquoi? Clarisse a dit que tu as volé ses gélules. J'ai dit que tu as volé les gélules un jour. Non. Est-ce qu'on a dit que tu as stocké, que c'est toi qui as mangé l'argent? On a dit que Tanga, la pisseuse, la seule femme majeure camerounaise du continent qui pisse sur elle, a donné ton nom et ton numéro de téléphone pour qu'on t'envoie l'argent. Pourquoi tu appelles l'enfant là pour la menacer? Tangana l'a passé menacer, ça fait 2 ans et demi. Vous n'avez pas fait cette mère d'enfant chuter? Elle est devenue zeze. Alors qu'elle était déjà assise en tant que PDG Boss Lady. Vous l'avez fait rentrer en arrière de 7 ans. Et ça ne te suffit pas. Tu prends ton téléphone cougnac cougnac après mon direct. Tu l'appelles. Vous me connaissez. On te connaît que tu es qui? Non, vous me connaissez. Vous me connaissez. C'est à quel nom que vous avez envoyé? Répétez. Hey, j'ai dit que mettez le cœur. Ça a commencé à bugger. Arrêtez un peu là. Après, vous me demandez pourquoi vous ne me voyez pas. Mettez le cœur. Protégez mon direct. Je suis en train de vous expliquer, monsieur. Vous m'avez posé une question. Je vous explique. Oui. La dame m'a donné un numéro sur lequel je devais déposer 100 000 francs CFA. C'est à partir de là que moi je découvre son nom. Et quel nom s'est affiché, vous dites? Je vous ai déjà dit. Et vous m'avez demandé une capture que je vais me charger de vous transférer, monsieur. Vous trouvez que c'est pénible de répéter, s'il vous plaît? Je vous ai dit. Yelmenier. Vous trouvez que c'est pénible? Si elle répète, tu vas faire quoi? Quoi va faire si elle répétait? C'est parce que c'est un enfant poli et bien élevé. Et elle t'a même donné une claque. Parce que tu as demandé les messages, elle avait à côté. Elle t'a dit qu'elle travaillait. Vous pensez qu'on est comme vous? Nous, ce n'est pas action-réaction. Quand tu as fini de parler avec elle, quand tu as raccroché, elle était au courant. La même manière que tu l'as enregistré, elle t'a enregistré. Tu n'as pas compris quoi? Que je suis assise là. Tu veux un dessin? Vous voulez quoi? Un dessin que je suis là? Que maintenant? C'est comment? Vous pouvez répéter le nom. En répétant, quoi va faire? Il y a une manière. Si elle répétait, quoi allait faire? Tu sors d'où dans les problèmes des femmes? Tu as compris ton nom que tu as volé les gélules? Tu as compris ton nom quelque part que tu as stocké, Clarisse? On t'a appelé. Tu sors d'où pour la menacer? Si bien que tu lui dis que tu envoies les messages que tu vas venir. Tu envoies les messages. J'ai mis les messages sur mon mur, non? Là, tu pisses sur toi, non? C'est ta cousine que tu as dit ça, non? Que les méthodes que nous on a sur les réseaux, là, toi, tu as les méthodes plus efficaces. Et que tu arrives à Douala. Tu es déjà à Douala. Est-ce que tu connais où Clarisse dort? Est-ce que tu connais où Clarisse dort? Tu connais où elle habite? Arrive seulement à 500 mètres de là-bas. Parce que si tu n'as pas compris que c'est la femme des hommes en tenue, je dis que arrive à 500 si tu es garçon.
Tu as dit que tu veux aussi faire comme Martinez, Zogo. Il a les méthodes. Anti, le continent de notre père là. Papa, pardon, 2025 part. On va faire le fouca fouca. Je connais où tu mets la tête. Je connais où tu es. Je serai à Douala ce week-end. Vos méthodes, j'ai les méthodes les plus efficaces. Lesquelles? Tes méthodes efficaces, c'est lesquelles? Tu dis que tu ne l'as pas menacé. Tu l'as rappelé aujourd'hui avec un autre numéro. Parce que tu as pris un autre numéro pour rappeler. Madame, je vous ai menacé. Tu peux lire tes messages sur mon mur. On appelle ça quoi? Quand tu dis que tu as les méthodes les plus efficaces que ce qu'on a. Et que tu arrives à Douala faire quoi? Parler avec son mari ou avec elle? Toi, tu parles avec les femmes ou avec les hommes? Tu veux parler avec qui au fait? Avec son mari ou avec elle? Même avec son bras qu'il a perdu en défendant le continent. Pendant que tu prends ton micro, tu parles, on ne sait même pas ce que tu parles là. Tu ne sais même à rien au ZA. Tu dis même d'abord quoi dans où tu es assis là-bas. Lui, il est parti, il a pris, il a porté, qui défend le peuple, la nation, le continent. Rien ne me nie. Va voir, va te mettre devant sa femme. On va entendre l'histoire sur Okonu tous. Ça fait 2 ans que vous traumatisez l'enfant là. Parce que vous êtes tombé sur une fille polie, bien élevée. Il fallait tomber sur un péril le lion, ou bien sur une valoche gars, ou bien on devait te faire lire, ou bien sur une homme où tu devais entendre parler de nous. Ce qu'elle devait te dire, tu allais faire un an sans dormir. Tes garçons, prends mon numéro, tu m'appelles. Regarde bien autour de toi, demande mon numéro là. Partout où tu parles avec les bureaux là, va là-bas, tu demandes mon numéro, appelle-moi. Rien ne me nie. Et l'homme de la garde présidentielle qui m'a écrit, si c'est un faux profil, c'est tant mieux. Si c'est un vrai, ne commencez pas avec moi. Je vous avertis. C'est comme ça qu'il vient toujours avertir ici. Quand vous voyez ma tête là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qu'on intimide. D'accord? Moi, ça ne marche pas. Quand vous m'entendez venir parler de quelque chose, j'ai des preuves en main. Ok, monsieur? Alors, mettez-vous ça où je pense. D'accord? Si, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit à l'entame de cette conversation, je vous ai dit le nom qui s'est affiché, je vous ai dit le nom que la dame m'a donné, vous m'avez demandé une capture, je vous ai dit oui, je vais la chercher là tout, dès que je finis ce que je fais. Si vous avez un numéro... Bibiche blonde, je sais que c'est sa méthode. Donc ils ont fini de chop ses dos comme s'ils veulent maintenant la kill. Hein. Donc ils ont fini de chop ses dos comme ils ont chop là. Rendre l'enfant de Truy qui était déjà une boss lady. Qu'elle recommence encore comme une petite entreprise de zéro. On vous dit que Coco Emilia a fait la publicité de quelqu'un. Vous pouvez imaginer, elle avait le nom. Il faut qu'elle recommence encore à zéro. Elle vend 5, elle fabrique 5. Elle vend 6, elle fabrique 6. Sanga prenait les 500 paquets. 500 paquets. Un homme ne peut pas avoir du retenu. Un homme marié légalement. Ma soeur, toi qui es sa femme, et Assia, maman. C'est comme ça que notre cœur va nous tuer. C'est comme ça que notre cœur va nous tuer. On quitte toujours qu'on peut porter un homme. Voilà ce que tu as porté devant le monde entier qui te fait honte, qui te ridiculise comme ça. On entend son nom partout dans les problèmes d'un gars. Tu sortais pour appeler Clarisse par rapport à quoi? Disons-nous les vérités, allons doucement. Est-ce que tu as entendu qu'on a dit que tu as volé les gélules? Non. Est-ce que tu as entendu qu'on a dit que tu as mangé les 100 000? On a dit que c'est par ton nom qu'on a envoyé l'argent. C'est ce que veut dire un dossier, monsieur? Monsieur, un dossier veut dire qu'il est constitué de tous les éléments. J'ai dit du premier jour que vous, on lui a, votre salope lui a dit bonjour. Jusqu'au dernier jour, c'était arrêté. C'est ça qui est constitué du dossier. Est-ce que vous comprenez? Elle avait envoyé 100 000 pour la publicité. Elle a envoyé à qui? À votre don. En 2021, avec le même numéro que vous l'avez appelé il y a quelques jours. Ouais, c'est comment? C'est comment? C'est votre part de moins cher. C'est comment? Vous lui voulez quoi? Vous voulez quoi à cette femme camerounaise? Qu'on amène ça là-bas devant le pater, la mater de la nation? Qu'on va amener la tête là devant la présidence? C'est quoi le problème? Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi à cette femme? Vous avez mangé son... Vous l'avez rendu zéro? Vous avez mangé tout son fonds de capital? Mais laisse-la tranquille, petit gigolo de ton espèce. Les 100 000 là qu'on t'a donné, c'était pour que tu chopes, non? Les 100 000 qu'on envoie en ton nom là, parce que c'est ton nom. C'est sur mon mur, non? Il y a les messages, non? Tanga écrit que non, envoie ça à...
C'est ton nom qu'on dit qu'on envoie. Voilà son numéro. C'est ton nom, c'est ton numéro. Tous ceux, tes amis, tout le monde qui vont écouter ce direct, qui connaissent ton numéro, vont voir, c'est là, c'est sur mon mur. Et tu la rappelles pour lui demander, je vous ai menacé. Quand tu lui dis que tu viens à Douala, tu allais dire à ta cousine qui est venue lui dire, Abimte, que tu pars à Douala et que tu as des méthodes plus efficaces, ce sont lesquelles? Nga tu as une matinée, rien de rien. Tu as l'étoffe. Parce que lui, au moins, s'il était comme si à Nubanga, tu as l'étoffe. Quand on te voit, tu ressembles à une tapette ou d'un aller. Tu es comme ça. Yanga Mazou, j'arrive. J'ai dit que tu veux me voir me parler. Regarde à côté de toi, tu suis là. C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Tu dis que dans ton champ de tir, ton champ de tir, de mine, quoi. Pareil pour moi et toi. Parce que je n'aime pas qu'on touche les miens. Et je ne voulais jamais parler de toi. Mais on a parlé des personnes que j'aime beaucoup à cause de toi. Parce que quand le laveur de voiture, nettoyeur de chaussures, mine avec une gare. Le boss des voitures ne mine pas avec l'angara. D'accord? Alors tu aurais pu sortir dire à ton gars qu'un, voilà, dit que non, c'est moi qui monte sur toi. Et que mon boss ne peut pas te toucher. Ouais. C'est comme ça la loi. Ou bien, on se comprend toi et moi ou pas? Ok. Tu es garçon. Nous sommes déjà dimanche. Tu n'es pas arrivé à Douala. Parce que c'est hier que je voulais te demander ça. Je pensais encore qu'on est samedi. Mais alors, tu dis quoi? On se comprend, non? On se comprend bien. Vous comprenez de quoi je veux parler, non? Donc, quand tu parles de champ de tir, moi-même, j'ai ton macabo. Parce qu'à cause de toi, vous êtes parti dans un bureau demander pardon. Que ma Sylvie Douga. Enlevez, faites qu'on enlève la plainte. C'est devenu qu'on a niasse là-bas. Alors que tu étais présent. Et c'est toi qui montes sur elle qui niasse ça. Tu pensais que les patrons mangeaient les restes des employés, des gratteurs, des ministères? Tu veux qu'ils parlent fort, encore plus fort que ça? Tu veux qu'ils crient? Parce que moi, je sais parler fort. Et ça va entrer jusqu'à ce que ça va te passer derrière. Donc, toi, vous et moi, ne joue pas avec moi. Si tu tentes encore de composer le numéro de Clarisse, et si tu es garçon, tu dis que tu te mets debout et que va tente de mettre tes pieds à 500 mètres où Clarisse habite. Je te promets qu'on t'attendait ce week-end. Hein. Je lui ai dit que la tapette ne va même pas passer. Mais je te promets que tu vas avoir une belle. Hein. Essaye, tu connais où elle met sa tête, non? Tu connais où elle met sa tête pour dormir, non? Tu peux entrer là-bas. Les gars là vont à mort. Putain, ils ont d'abord votre macabre. Vous ne savez pas que l'affaire est si. Je ne peux pas tout te dire en direct. Ne me fais pas trop parler. Et pourquoi tu n'es pas parti? Nous sommes là dimanche. Il est quelle heure? C'est tard, c'est fini. Je voulais te demander ça hier. C'est que Francis m'a tellement... J'étais un jar parce que je suis une patriote hors pair. Et le sport et moi, je ne sais pas. J'étais un jar. Il se faisait trop tard. J'allais te demander hier que tu es déjà arrivé. Ou tu arrives aujourd'hui le matin. Rien de me nier. Au WhatsApp, je vous transfère cette capture d'écran. Oui, madame, je vous prie. Est-ce que vous pouvez répéter le nom qui s'est affiché, vous dites, s'il vous plaît? Je ne vais pas le répéter parce que je l'ai répété. Je vous ai déjà dit. Je vous ai dit le nom qui s'est affiché. Je vous ai dit. Et vous, je vous ai envoyé la capture d'écran. Vous confirmez que le nom que vous m'avez dit quand nous avons démarré la conversation, c'est ce nom qui s'est affiché? Monsieur, oui. Je vous envoie la capture. Si vous pouvez m'écrire sur... Je demande, hein. Vous-même qui entendez la conversation, là, dites-moi ce que vous pensez. Il voulait dire quoi? Que si on dit son nom, quoi va faire? Non, dites-moi un peu, pardon. Vous qui entendez la conversation, après je vais mettre ça, je vais plus décrypter, je vais seulement mettre, on va écouter. Il voulait dire quoi? Il veut si c'est l'enfant. Qu'appelle encore le nom? C'est quel nom? Monsieur, c'est quel? Mouf chien et langue bignakabatongoué. C'est ton nom-là qui est écrit dans le papier, là. Yann Menye. Ah, Sogo Bibiche. Vraiment, me coupe. Viens me nier. Tu voulais dire quoi? Que tu lui voici le dé. Tu lui voici le dé à Clarisse. Que vous voulez dire que c'est quel nom qui est écrit là-bas? C'est quel nom? Mouf, c'est ton nom qui est écrit sur le papier là. Les internautes, vous qui ne comprenez pas là, pendant que je comme on parle là, sur mon mur en haut, il y a son nom. Il y a que envoie à tel. C'est son nom qu'on dit qu'envoie lui. On envoie le numéro de téléphone, son téléphone, depuis 2021 qu'il envoie l'argent.
que Clarisse a envoyé l'argent. C'est le même numéro qui a appelé Clarisse avant et après mon direct. C'est quoi ça? Et il veut nier. Il veut nier que non, ce n'est pas. C'est toi! On est même déjà parti, même à Orange, demander de sortir les archives. Le numéro, comme tu l'as appelé là, l'heure, la minute, tout est marqué, j'ai pris. Tu connais où tu es entré, vous êtes entré. Sors des problèmes qui ne te regardent pas. Sors vite des problèmes qui ne te regardent pas. Quoi, les aristocrates disent aussi move comme nous. On dit move, mais pardon. Sors des problèmes qui ne te regardent pas. Les 100 000 qu'on a donné là, moi je te dis donc maintenant, tu n'es jamais dans la plainte qu'on a dit tout, mais je te dis que tu avais faim. Et ta pisseuse a donné ça pour que ça te dépanne. Un game man, gigole. Un homme marié légalement, c'est comme ça que vous nous manquez de respect. Tu n'es pas marié légalement à une femme. Tu n'es pas légalement marié à une femme. C'est quoi ce manque de respect là? C'est quoi? C'est ma soeur, c'est une femme comme moi. C'est de ça que je parle aux femmes tous les jours, l'humiliation qu'on nous donne. Regarde-moi celui-là. Tu n'es pas légalement marié avec une femme. On va dire qu'un homme est milliardaire, il peut se la permettre. Espèce de game man. Et si tu manques de respect à ta femme comme ça, on entend ton nom partout. Tu sors, tu sais s'acclarer dans quel but. Hein? On t'a dit les sang colola parce que tu étais ngémé. Et tu as chop sa mof. C'est toi qui as reçu, tu as chop sa mof, tu étais ngé. Laisse ça, espèce de petit. WhatsApp parce que je ne connais pas votre numéro. Celui-ci, c'est mon numéro WhatsApp. Je vous envoie la capture, s'il vous plaît. Il y a combien de temps? Bah, je suis encore en train de préparer. Dès que je finis, je le fais. D'accord, j'attends la capture, s'il vous plaît. Écrivez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. J'espère que ça ne vous gêne pas parce que j'ai voulu cet appel, qu'il soit encadré. Donc, je l'ai retenu. J'attends la capture, s'il vous plaît. Je prendrai également l'appel pour montrer que rien n'a été ajouté de ce que nous nous sommes dit. Vous entendez un homme, il vient lui dire que vous avez vos méthodes dans les réseaux. Moi, j'ai d'autres méthodes. Tu l'as enregistré pourquoi? Puisque c'est toi qui allais mettre ça dans les réseaux. C'est toi qui allais mettre l'enregistrement dans les réseaux. Tu lui dis bien que l'appel a été encadré. Ça veut dire enregistré. Ça veut dire que l'appel a été enregistré. C'est comment on perpétue Maléba? Ça veut dire que l'appel a été enregistré. Tu lui dis bien. Donc, tu as resté pour les mettre dans les réseaux. Puisque la preuve, avant de revenir. J'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir un appel de M. Paul Désir Biya. Attendez, avant ça, je vais vous mettre où elle me dit que... Bonjour, Madame Stella. Alors, je sais que vous êtes au travail, mais je vais vous laisser ce voice. J'espère que vous allez aussi mieux par rapport à hier, parce que je sais que ça n'allait toujours pas. Je vous envoie ce voice parce qu'il y a Madame Aurore qui demande que je vous passe. Je pensais que j'ai un peu fuck-up. Bon, elle a donné son autorisation, mais je pense que j'ai fuck-up. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que l'audio aussi que vous entendez là, il enregistre Clarisse, il lui dit bien que c'est encadré, ça veut dire enregistré, il va l'enregistrer. Et il prend le message, il envoie ça dehors à Sanga. Sanga prend un mec à Congo, ça vient et puis. Clarisse m'appelle et me dit, madame, on vient de capturer, on m'envoie. Le monsieur est parti mettre la conversation dans Congo, ça vient et puis. Et il dit que les méthodes, tu voulais qu'on utilise quelle méthode, puisque c'est dans la même méthode, je te réponds seulement, moi je donne le droit de réponse. Mon chéri, je te donne le droit de réponse. Puisque tu as donné ça à Kanga, elle l'a mis dans Congo, ça VIP. Moi, je fais le direct aujourd'hui. Elle est dans Congo, ça VIP. C'est là-bas depuis 3-4 jours. Oui. Et le message de menace, c'est sur mon mur. C'est toi qui écris avec le nouveau numéro que tu as pris. Quoi? Tu veux nous dire quoi? Vous jouez à quoi là? C'est quoi? C'est parce que c'est un enfant qui a une éducation, un genre. Elle est trop bien. Que chacun croit que c'est le pouce-pion. Je ne vous ai pas dit que non, ce n'est pas votre pouce-pion. Parce que maintenant, je suis assise. C'est quoi? C'est quoi? Tu veux dire quoi au Camerounais? Que vous la CCI, c'est devenu quoi votre... C'est quoi? Ta soeur t'a même appelé? Ta soeur t'a appelé, t'a dit que non. Écoute-moi. Tu as demandé à ta soeur que la femme me veut quoi? Ta soeur t'a dit que non. La femme n'a pas parlé de toi en mal. Elle ne te veut rien. Elle dit seulement que les 100 000 qu'elle a payé pour la pub, c'était en ton nom. Et c'est toi qui as réceptionné ça. Puisque après Orange Money lui a dit que oui, monsieur tel, tel, tel a bien reçu votre argent. C'est comment? Ya! Yeah! Tu sors, Kounia, Kounia. Nga, est-ce que tu me connais?
Ne sors pas de tes vrais bails. Ils peuvent s'en servir. Non, tu sais que je les maîtrise. En fait, ils ne nouaient pas que Clarisse avait... En fait, quand ils demandaient à Clarisse, quand vous entendez parler là, je vais encore remettre, je ne vais plus rien dire. Ils demandent à Clarisse, que, est-ce que vous avez les preuves? Parce qu'ils n'ont que ça fait 2 ans et demi. Ils ne nouaient plus que Clarisse pouvait avoir les preuves d'envoi et de réception. Mais c'est parce qu'il n'a pas su qui était assise derrière. Mais mon chéri, c'est moi. Je suis là. Tu n'as pas compris quoi? C'est que Tanga, la pisseuse gesticule là-bas. Tu as appris que il paraît que c'est trop fort sur elle. Que la chop, c'est grave, elle n'a rien à chop. Est-ce que tu peux l'envoyer au moins 200 000 francs CFA? Ça fait 300 euros. Au moins, l'enfant ne va plus go partir toucher le compte qui est réservé pour 18 ans. Qu'un homme camerounais s'est levé, il a pris un compte bancaire. Il a dit qu'il bloque l'argent d'un enfant. Peu de gens le font pour que l'enfant ait 18 ans et ce compte est ouvert. Soit elle prend un appartement à crédit, elle, met une grande, elle amène un apport personnel qui est consistant. Elle peut se prendre sa belle petite voiture parce que c'est aussi l'âge qu'elle a son permis de conduire. Puisque sa mère n'a jamais touché au volant. Et tu as appris que la mère est en train de vider le compte. La chance c'est que le papa là, vient de fermer le compte. Là. Il attendait quoi depuis? Tu ne peux pas l'envoyer 200 000. Les 100 000 que tu avais pour la pub, là, barre-lui ça. Je pense, Péril dit que quoi? Que je pense quoi? Je pense même que les appels, c'est pour sonder. Oui, ils voulaient taper son ventre. Ils n'ont pas compris que je suis assise. Quand vous appelez Clarisse, là, Aurore Calamel, bonsoir. Quand vous appelez Clarisse, là, quand Clarisse vous parle, non? Vous nouez, non? Vous savez d'abord que Clarisse, c'est comme si elle a le palu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Non, monsieur, je ne vous connais pas. Non, monsieur, c'est seulement le nom que je connais. Monsieur, c'est madame qui m'avait envoyé, c'est la pisseuse qui m'avait envoyé le téléphone avec le nom, le téléphone. Et quand j'ai envoyé, maintenant Orange Money m'a dit que monsieur tel a reçu l'argent. Audrey, bonsoir. Donc, c'est comme ça. Papa, tu veux nier quoi? Tu veux nier quoi? Le continent, c'est le continent. Vous parlez comment? Orange a sorti, c'est ton nom qui a pris l'argent là. Le même numéro qu'il y a 2 ans et demi, 2021, c'est le même numéro que tu as appelé Clarisse il y a quelques jours. Hein? Et ce numéro enregistré avait le nombre de minutes, le nombre d'heures d'appel. Et le message que tu as dit que tu as les autres méthodes plus efficaces. Watorna ou no Martinez ou Gunga, yen menye. Yen menye. Attendez, je dac un peu pour me calmer. Regarde-moi ça. Espèce de femmelette. Devant la justice encore, ton message de menace là maintenant va entrer. Tu étais comme témoin. Pas témoin. Tu étais dans le dossier par rapport au fait que c'est toi qui avais réceptionné les 100 000 francs en ton nom. Tu devais seulement venir décharger que oui, c'est ma pièce santé qui avait pris cet argent. C'était envoyé à mon nom. C'était tout. On t'accusait de rien. On ne te portait pas plein. Non. Tu n'étais que dans l'élément que qui a eu les 100 000 de publicité. C'est monsieur tel. C'est tout. Comme vous aimez entendre que Bebe Longoul, le laveur des voitures des autorités, de nettoyeur de bourrure de poussière, lui aussi il sort au cougnac cougnac. Tu me connais? On se connaît? Tu me connais? On se connaît? Hein? J'ai les méthodes trop drastes, efficaces. Efficace que vous retournez au Neza. Efficace, mais. Entre qui te connaît, on ne dit, on ne sait. Rien de rien. Rien de rien. Tu fais honte à ta femme. J'ai pitié de ma soeur qui est ta femme. Ma chérie des soeurs, c'est rien. C'est notre souffrance. C'est pour nous, maman. C'est comme ça. Nos cœurs vont nous tuer. Voilà un homme qui l'oublie qu'il est légalement marié. Il se pavane dans tous les trucs. On l'appelle partout. Il se dit que c'est une fierté. Écoute comment tu sors par quelle porte. Regarde comment tu te fais connaître. Les autres se font connaître parce qu'ils tapent. Ils font des reportages qui font le buzz. Tu entends parler. Ta part, c'est que tu es sur Facebook pour le problème de gélules. Il y a une manière. Toi aussi, tu appelles que tu menaces. Qu'il a les méthodes efficaces. Donc, il y a un gars que Bongo. Un gars tourné en matinée, il y a une. Ta meilleure. Regarde-moi ça. Il fallait arriver à Douala. Franchement, comment on t'attendait? Renseigne-toi bien, elle n'est pas cachée. Tu passes à 500 mètres, je dis que 500 mètres.
Et tu dis ton profil que garde présidentiel rapproché là, qui ne m'écrit plus, hein. Ma voix qui est. Hein. Parce que je vais d'abord mettre son commentaire public, hein, qui ne joue pas avec moi. Moi, je vous avertis. Il a demandé que quand. Je dis qu'à très bientôt. Bientôt que. Tourne-toi peut-être après demain, tu vas me voir à côté de toi. Regarde-moi ça. Tu te prends pour qui? Qui t'a appelé? C'est toujours quoi? Les pipis là que tu dors dessus là qui te font perdre ta ciboule. Tu as oublié que tu t'es légalement marié. Tu ne peux pas respecter cette femme. Tu ne peux pas respecter cette femme qui est quittée pour venir t'épouser. Tu ne peux pas la respecter. Ta grandeur en tant qu'animateur ou journaliste, c'est quoi? C'est qu'on parle de toi par rapport au problème de gélule. Que tu as la plus sale femme africaine, camerounaise, africaine qui se trouve en Europe. Celle qui pisse sur elle debout. Qui a les photos partout, assise comme ça, avec mon gnolo. Yon a Kobo avec mon gnolo. Yon a Nubia avec mon gnolo. Yon a Bombo. Le lit est mouillé comme ça, comme si on avait versé 10 litres d'eau. Et tu sors, tu parles Kabat, Nyak, Yen Menye, Oswan. Honte. Vous voulez qu'on fasse attention à vous comment? Depuis, me dit qu'il y a ma Kobo à Soudjoué. Et vous voulez qu'on fasse attention à vous comment? Ou à Koui, ou à que menacer Clarisse et Yenga. Parce que Wanyoudé, Banga, tu bois quoi? Tu bois quoi? Appelle encore son numéro. Prends un autre portable, tu appelles encore son numéro. Toi, Onadza, vous êtes au Cameroun à deux. Prends un autre numéro, appelle encore Clarisse, tu lui parles le français des Blancs. Parce que celle qui pisse là, le temps qu'elle arrive, il faut laisser ce qu'il raconte dans les réseaux comme bah, 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 le Cameroun, bah, 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 ça ne vous appartient pas. Est-ce qu'on vous a amené derrière la maison? On vous a amené devant la maison. Tu savais qu'on devait te sortir un message il y a 2 ans et demi. Là, tu viens de pisser sur toi, comme Tanga. Parce que les messages que je te mets sur le mur, là, il y a 2 ans et demi, qu'on t'envoie l'argent. Ouais. Il y a 2 ans et demi qu'elle envoie l'argent là, ton nom. Ton nom apparaît dans l'envoi. Nga Amourou, c'était là. C'est ton nom, c'est apparu dedans. Tu veux discuter, quoi? Et tu l'appelles, tu lui parles le français des Blancs. Après, c'est pas comme si ça me dérange. C'est moi. C'est moi. C'était quel nom? C'est quel nom? Hein, madame, dites-moi. Quel nom? Quel nom? Mouf! Je vais vous laisser écouter toute la conversation sans couper. Il a mis ça comme ça depuis des jours. Lui-même, un homme. Il enregistre une petite femme, une petite fille comme ça, qui pleure son argent. Il part mettre sur Congo Sadia, puis il envoie à Sanga qui pisse. Comme ils ont les méthodes dramatiques, elle prend, elle envoie, mais à Congo ça. C'est là-bas dehors depuis longtemps. Je suis en train de vous expliquer, monsieur. Vous m'avez posé. Vous me connaissez? Bah oui, de nom. De nom? On n'a jamais traité ensemble une affaire de gélu. C'est pour ça que je dis je vous connais de nom, parce que j'ai eu à faire un dépôt de 100 000 francs à un numéro qui m'a été donné et le nom qui s'affichait, c'était Paul Désir Bia. C'est pour ça que je dis de nom. Non, mon nom, je n'ai pas de nom Paul Désir Bia sur Orange. Bah, j'ai la capsule, je peux encore, si vous voulez, si vous avez WhatsApp, je pourrais vous transférer la capsule. Oui, envoie-moi ça. Vous avez dit que le nom qui s'affiche, c'est Paul Désir Bia, c'est ça? Je vais vous envoyer le nom qui s'est affiché, ne vous dérangez pas, je vais vous envoyer. Oui. Et je vous envoie aussi le nom que la dame m'avait donné, parce que je lui avais demandé quel est le nom qui s'affiche. Oui, vous avez traité une affaire de gérer avec moi quand? Parce que j'entends mon... Ouais, ça m'énerve tellement. J'ai envie de vous laisser écouter tout. Mais ça m'énerve tellement que je ne sais même pas comment elle veut faire. Ouais, Amougo, Anti. Oh, Seigneur. Ouais. Si j'étais un Joe et que j'avais un peu le ngoul comme Francis Ngannou, elle les embasse comme un gars Kadza. Je m'en vais un peu dans son bureau, ma lorlignée. Ma renyé n'a beau. Ça, c'est quoi ça? Didi. La femme parle en français, elle est limpide, elle est posée, elle est calme. Elle te dit que oui, monsieur, je ne vous connais pas. Mais le nom que ta pisseuse a envoyé pour envoyer l'argent avec le numéro, elle ne connaissait pas. Quand elle a envoyé l'argent, c'est là que ton nom a apparu. Tu dis que je n'ai pas d'orange, mon nom avec le nom là. C'est ton nom, peut-être tu as mal écrit, c'est ton nom qui est sur ça, c'est sur mon mur. On a le papier d'envoi que Orange dit que monsieur tel vient de réceptionner l'argent. C'est quoi ça? Tu lui parles quel français des Blancs? C'est le français des Blancs que Wena Wako Benyen. Que c'était au nom de qui? Vous avez envoyé à qui? Tu lui parles le numéro de son mari, tu l'appelles.
Tu parles entre hommes. Tu lui poses les questions là. Il va tourner le coup de poing au téléphone. Pendant que lui portait le gun lourd, 3 kilos, tu es au bureau en train de lire que bonjour, messieurs et dames, il paraît qu'il y a l'eau à Mokolo. Là, il pleure en Vorombi. Il me nie. Tu n'es pas au courant qu'on a besoin des hommes pour aller défendre le continent ou nos eaux. Pendant qu'un brave homme s'est levé, n'a bien à que défendre le continent. L'autre s'assoit assis. Il dit qu'il est soit journaliste, soit animateur. Il pleut à Mokolo, il pleut à Mvorombi. Il paraît que les marchés se sont cassés. On dit que l'eau est venue passer. Tu ne pouvais pas aller porter aussi le truc là. Tu peux marcher dehors la bonne nous. Ou comme ça. Appelle son mari, tu parles avec lui en tant qu'homme. D'accord? Tu appelles quelle femme? Espèce de honte des hommes. Tu es légalement marié ou pas? Monsieur, vous êtes légalement marié ou pas? Est-ce que vous êtes marié à une femme? Une femme ou pas, vous l'humiliez comme ça devant tout le monde entier. Vous l'humiliez comme ça devant tout le monde entier. Un homme qui parle aux femmes, si bien qu'il dit qu'il a les méthodes efficaces. On va tourner en osa. Za Martinez Ogonga, yen menye, zezemout. Je suis en train de vous expliquer, monsieur. Vous m'avez posé une question, je vous explique. La dame m'a donné un numéro sur lequel je devais déposer 100 000 francs CFA. C'est à partir de là que moi je découvre son nom. C'est quel nom cet affiché vous dites? Je vous ai déjà dit. Et vous m'avez demandé une capture que je vais me charger de vous transférer, monsieur. Vous trouvez que c'est pénible de répéter, s'il vous plaît? Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit à l'entame de cette conversation, je vous ai dit le nom qui s'est affiché, je vous ai dit le nom que la dame m'a donné, vous m'avez demandé une capture, je vous ai dit oui, je vais la chercher là tout, dès que je finis ce que je fais. Si vous avez un numéro WhatsApp, je vous transfère cette capture d'écran. Oui, madame, je vous prie. Est-ce que vous pouvez répéter le nom qui s'est affiché, vous dites, s'il vous plaît? Je ne vais pas le répéter parce que je l'ai répété. Je vous ai déjà dit. Je vous ai dit le nom qui s'est affiché. Je vous ai dit, et vous, je vous ai envoyé la capture d'écran. Vous confirmez que le nom que vous m'avez dit quand nous avons démarré la conversation, c'est ce nom qui s'est affiché. Monsieur, oui. Je vous envoie la capture. Si vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, parce que je ne connais pas votre numéro. Celui-ci, c'est mon numéro WhatsApp. Je vous envoie la capture, s'il vous plaît. Mouf de... Mouf. Je suis encore en train de préparer. Dès que je finis, je le fais. D'accord, j'attends la capture, s'il vous plaît. Écrivez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. J'espère que ça ne vous gêne pas parce que j'ai voulu cet appel. Et ça fait quoi? Qu'il soit encadré. Et si c'est encadré, donc, ça fait quoi? Retenu. Pourquoi tu mets ta Congo ça bien dit? S'il vous plaît. Je vais également l'appel pour montrer que rien n'a été ajouté de ce que nous nous sommes dit. Tu l'envoies ça toujours pour moi. Notre appel. Moi, je n'ai pas de souci. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Gars, Choupi, Van, tu dis que Clarisse et Weiss, elle a la bonne école, mon gars. Le moufle est bon à toi, Choupi. Mouf de, mouf. Y'a une manière. Vous pouvez répéter encore. Vous pouvez répéter. Et quand on répète, quoi va faire? Tu as compris mon nom ou pas? On a nommé l'enfant du village. Il a cru qu'il était l'enfant de la maison. Y'a une manière. Je m'appelle Stella. Macron. Sarkozy. Poutine. Donald Trump. Oh, oh, yeah. Gambia. Et c'est lui le premier qui va mettre à Congo sa VIP. Hein. Il a envoyé à Sanga. Sanga a pris la nuit à Congo sa VIP. Aller à Congo sa VIP. C'est dehors depuis longtemps. Puisque Clarisse m'appelle de témoin, elle me dit que Madame Stella, on vient de me capturer. Et le monsieur là m'a enregistré, c'est à Kongosa VIP. C'était pour ça que vous avez dit à Clarisse que vous encadrez l'enregistrement. Il utilisait les termes et pas le français des blancs. Je vais encadrer cet appel. Je vais encadrer cet appel. Et tu as encadré l'arrêt de pleuvoir, Yaoundé. On a encadré Zed et il arrête de pleuvoir. Regarde-moi ça. Ta maîtresse l'a menacée depuis. Vous l'avez fait pleurer. Vous avez fait cette femme pleurer de toutes ses larmes. Vous l'avez fait devenir chuter. Hein? On t'a envoyé les 100 000 là pour que tu manges. Tu avais faim. Gigole. La famine de ça. De vous répéter le nom.
Répétez. C'est comme ça que les... anti-amoureux. Ouais, que... Calme-toi, pardon. Oh. Vous allez appeler vos enfants à la maison que Bernadette, on va dire que c'est la première dame. Parce qu'on a nommé. Il dans sa tête d'oiseau à tournant. Sylvain Kédigé répète. T'as répété. Légalement marié au soin. Ma soeur, Asia, patience, ma soeur. C'est de ça que je parle tout le temps aux femmes. Comment ils nous font souffrir, ces hommes. Comment on vit avec nos cœurs, nos comportements. Ils nous méprisent, nous affichent. Une femme est légalement mariée avec un monsieur. Il se pavane dehors comme ça. Avec, on dit même qu'il y a un gars. Quand un joueur a même un gars, qu'on dit qu'elle vaut la peine. Il est même fier qu'on dit que oui, il peut tromper son gars avec l'anga. Regarde, t'as même une zone. C'est bien qu'il sort pour parler à Clarisse. Menace-la encore. Appelle encore Clarisse, tu menaces Clarisse. Le nom que tu portes là, je crois que ça te met. Tu devais respecter son nom. Même comme on t'a seulement donné le nom. Quand on dit qu'on donne homonyme, par amour, par la force, par l'histoire. Le fait que c'est un héros du monde, il restera dans les archives. On te nomme aussi que c'est un enfant du Dar. De Bengui Sebolo Basamelima là-bas. On te nomme aussi. Tu devais respecter le nom là. On entend parler ça dans tout Facebook comme ça. C'est le nom qu'on parle. On va voir le nom. On dit que enlève ça. Mets le nom de son père. Nenmenye. Tu as dit qu'on a nos méthodes, non? Et que tu as tes méthodes, non? Nos méthodes. On était calme. C'est toi qui as pris la conversation. Tu allais donner à Tanga qui pisse au lit. Elle est partie mettre sur Congo Sadia et puis les mêmes façons dont vous faites. Quand on parle d'autres, il y a des cris que non, elle dit que tu fais ça parce qu'elle a dit que tu étais parti au Ngata. Regarde-moi ça. Où tu es la famine comme ça, comme la famine, quand on dit que c'est toi qui dis que tu as les plus gros jours, c'est toi qui dis que tu oublies le money, c'est toi qui dis que tu as l'argent. Mais quand on entend l'histoire, on te dit que moi, je peux envoyer mon fils aller dérober. Hein? Petite femme au cerveau d'oiseau, vous voulez jouer dans la cour de tout le monde. Quand tu es sorti m'insultant en 2022, en 2019, en 2020, je t'avais parlé un jour, je te connaissais. Je te connaissais quand tu es sorti commencer à m'insulter en 2020. Me laver comme ça, m'insulter, insulter mes enfants. Je te connaissais. Je t'avais déjà parlé un jour. Je m'étais mêlé de tes clashs, de toute la honte que tu nous portais en Afrique. J'avais parlé un jour. Tu es la honte de l'Ouest et la poubelle de l'Europe. Les filles de l'Ouest, là, quand elles te voient, elles ont honte. Celles qui te disent bonjour, ce n'est que parce que c'est le fun. Mais je te jure, bak, mawako swan. Tu fais honte. Ouais. Un grand big up à Nicole Ketcha. Maman, le lavage de ça. Aïe! Maman, l'enfant là, tu lui avais fait quoi? Tu avais fait quoi à l'enfant là? La manière dont l'enfant là s'assoit sur toi. Quand je passe seulement, j'entends qu'on dit que oui, on peut filer quelqu'un comme ça. Je dis que même le FBI, maman, tu touches l'enfant là au courant. Tu voles l'enfant là au courant. C'est vous qui incitez tous les autres, vous faites les montages. Il y a la qualité d'un gars que quand tu niais devant toi, tu t'as que non, l'angala, c'est moi, il faut que je l'aime. Tu as vu quelle femme est devant toi assise. Le grenier, le conteneur. Tu t'es dit qu'il va te presser. Donc va dire à ton petit gigole là, à ton petit gogol là, le ndurungum là, que j'ai dit qu'il vienne doucement. Ouais. Parce qu'avec lui, c'est encore plus rapide. Parce qu'en Adja, il est au Cameroun. Donc ça se règle là-bas. Il va lui dire que les hommes parlent entre eux, les hommes. Et que s'il a un homme et qu'il se met debout et qu'il veut un homme, qu'il appelle le mari de Clarisse Inga. Et que le week-end est passé, il est 20 poussières, on ne l'a pas vu là-bas. Il fallait qu'il passe avec ses pieds comme le coq là, il fallait qu'il passe là-bas. S'il était garçon. Ce que vous avez fait à sa femme subie là, je pensais que le journal devait faire que les journalistes là sont dehors, on entend les vrais gars qui font du sale. Hein? Je n'avais jamais entendu celui-là.
La communication, je connais. Les artistes, je connais. Les stages, je connais. Je n'avais jamais entendu parler de lui de ma vie. À cause de l'histoire des gélules que j'ai dit que je soutiens ma petite soeur. Clarisse, c'est ma petite soeur. Même père, même mère. Ça ne peut pas chauffer. On va tourner, descendre, dire que on va jouer le mangambela. On va danser le bentikin ensemble. C'est la fin qui justifie les moyens. On va arriver. Et monsieur, votre nom est bien dans la plainte. En tant que récepteur de 100 000 de pubs, et c'est vous qui l'avez reçu. Et votre nom est bien marqué dessus. Avec le même numéro que vous avez écrit, vous avez appelé Clarisse après 2 ans et demi. C'est le même numéro que vous envoyez l'argent il y a 2 ans, monsieur. On peut faire ça. Vous faites ça comment? Vous voulez seulement nous dire qu'on est bête, qu'on est fou? Vous voulez rendre quoi? Les Africains, vous voulez dire que nous sommes, nos cerveaux ne tournent pas? C'est sur mon mur. C'est sur mon mur. Les envois de 2021. Ta soeur t'a appelé. Elle t'a dit non. Ne fais pas ça. Qui derrière les problèmes de la femme là, a dit ça? Tu es un homme. Tu ne peux pas t'afficher sur les réseaux sociaux comme ça. Oh, cuisine revisée, c'est comment la soeur de quelqu'un? Que tu ne peux pas t'afficher dans les trucs comme ça. Elle t'a dit ça avec sa bouche. Elle t'a dit que non. La femme là n'a pas dit que tu as volé ses gélules. La femme là n'a pas dit que tu as mangé. Elle a dit que la publicité a été payée à un nom qu'on a envoyé. Et le nom là, c'est ton nom. Ouais. C'est comment? Tu sors que mes belles méthodes plus efficaces. Efficace là, c'est quoi? Efficace, c'est quoi? Donc là, tu dis aux hommes en tenue que tu as les méthodes les plus efficaces. Bisous là-bas, ma soeur. Ah bon, donc tu as les méthodes efficaces? Ah bon, c'est quoi les méthodes efficaces? Donc quand tu dors, dans ta tête, tu te dis que... Une martinez, nga, 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 nga. Mouf! Appelle encore son numéro. Appelle-la encore demain. Ou après moi aussi. Famille, vous savez, ils vont dire ce qu'ils disent. Mais je suis une femme. Et je connais notre souffrance. Je connais ce que nous vivons. Je connais nos cœurs. Comment nous acceptons ce qui n'est pas acceptable. La preuve, vous voyez un homme légalement marié qui manque de respect à une femme comme vous devant tout le monde entier. Parce qu'il veut soutenir sa Ndjomba officielle. Un homme marié qu'on entend dans les problèmes d'un gars, oh, qui ne se cache plus, il amène tout le monde derrière lui. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, vous savez, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui a décidé que c'est nous qui mettons, qui enfantons les femmes. Il aurait pu décider que ce sont les hommes. Mais il a décidé que c'est les femmes qui enfantent, qui donnent la vie. Il a décidé que c'est nous qui portons tout. C'est nous qui dirigeons ce monde. Un président gère la présence à cause de sa femme. C'est comme ça. Et l'humiliation que nous avons, la souffrance, les blessures, les insultes, le mépris, le manque de reconnaissance de nos efforts, on n'a pas le choix. Vous savez, Dieu ne nous donne que ce qu'on peut supporter. Quand Dieu te donne une épreuve, c'est parce qu'il sait que tu peux surmonter cette épreuve. Si c'est un instant que l'épreuve là va te tuer, il ne te la donne pas. Il savait qu'en nous mettant femme et qu'on donne la vie, on pouvait gérer ces situations. Alors, la femme de ce monsieur, ma soeur, on m'a envoyé tes photos. Et on m'a dit un peu de trucs sur toi. Mais je ne peux pas te parler un genre. Moi, je vais te dire au contraire, Assia. Assia, maman. C'est notre fardeau, c'est notre charge. Nous sommes femmes. On ne peut que vivre comme ça, c'est ça. Parce qu'il y a des humiliations qu'on ne fait pas en public. Que tu sortes demain m'insulter, il n'y a pas de problème. Que oui, c'est mon mari, je l'aime. Pas de problème, ma soeur.
Mais devant le monde entier, c'est visible qu'un homme marié ne peut pas s'afficher et sortir parler des affaires qu'il ne regarde pas, alors qu'il est une femme. Tout le monde parle de lui. Mais c'est en direct pour dire que quand je vais aller, je vais encore écarter. J'écarte bien. Tout le monde entend. Pour l'amour de ton mari, tu peux sortir demain m'insulter. Ma soeur, je ne peux pas t'en vouloir. C'est notre fardeau, c'est notre souffrance. On va faire avec. Alors, sois forte, prends en toi et tu n'as pas à avoir ni honte, ni être froissé. Au contraire, tu peux être fier. Tu peux être fier de toi. Famille, Nathalie, coucou Nat, c'est comment depuis la Suisse? Ça va? Famille, je suis un peu celle qui a pris ce dossier. Je suis celle qui parle de ces jeux. Et dès qu'il y aura un événement, vous m'entendrez. S'il n'y a pas d'événement, je reste muette et calme. Mais je ne peux pas accepter que cette femme a menacé Clarisse pendant 2 ans. Elle a mangé son argent à un montant trop élevé. On parle de 10 millions. On ne parle pas de 1 million. On ne parle pas de 2 millions. On ne parle pas de 3 millions. On parle de 10 millions. 15 000 euros. Elle a insulté, elle a traumatisé, elle a méprisé. Elle est même allée jusqu'à insulter son mari. Maintenant, c'est monsieur le journaliste qui veut s'y mettre, qui appelle aussi cette jeune femme pour l'intimider, pour commencer à la menacer, pour lui dire qu'il a des méthodes plus efficaces à une femme. Elle a mal fait d'aider. Elle a mal fait de prendre sa soeur pour représenter ses produits. Pour lui dire, ok, elle lui a proposé de représenter ses produits. Elle a mal fait de prendre sa soeur pour faire la publicité. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Et que tous les jours, Louise et Sylviane, salut là-bas. Et que tous les jours, quand vous dormez, ma fongonfi, c'est comment? Vous devez savoir que Clarisse n'est jamais allée vers elle. Clarisse est allée vers elle pour qu'elle fasse la pub. C'est pour ça que ce monsieur, les 100 000 que vous entendez, c'était les 100 000 de la pub. On devait s'arrêter là-bas. C'est elle qui propose de vendre les gélules. Après, elle revient proposer d'être exclusif. Que ce n'est qu'elle seule qui vend les gélules. On va faire comment? Clarisse pouvait aller voir une Ivoirienne, une Sénégalaise, une Malienne, une Congolaise, une Togolaise pour faire sa promotion. Elle a mal fait de demander à notre soeur de faire sa pub. Est-ce que vous ne l'avez pas assez fait souffrir comme ça? Vous la faites trop souffrir, cette femme. Qui se bat dignement pour élever ses enfants. Laissez-la tranquille. Monsieur, vous n'avez pas le droit de l'appeler pour l'intimider. Vous savez dans votre fond et conscience que c'est vous qui avez encaissé les 100 000 là à votre nom. Alors, prouvez-moi que c'est faux. On passe à la vitesse supérieure. Je mets officiellement votre numéro sur mon mur. Et tous les Camerounais vous appellent. On voit si ce n'est pas vous qui décrochez. Où on va demander à Orange, si ce n'est pas vous qui avez le numéro là. Je peux demander, j'ai des personnes à Orange que je connais très bien. Si ce n'est pas vous qui avez le numéro là. C'est le même numéro, il y a 2 ans et demi, qu'elle a envoyé les 100 000. C'est le même numéro que vous l'avez appelé avant, il y a quelques jours. C'est comment? C'est que vous êtes trop fort? C'est quoi le problème? Que vous mangez son argent et votre copine va venir crier. Vous vous dites qu'elle crie trop? C'est ça. Et qu'elle va sortir vous défendre, va crier pour vous. Ou que vous allez sortir vous mettre sur un podium avec vos vestes d'Ali Baba et commencer à faire un reportage en disant que bug, 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 il pleut à mon colo. En vorbi, les femmes sont tombées par terre. Il y a une manière. Devenez un homme qui dit qu'à Belém Mbang, prenez l'âme, allez au nouveau. Il y a une manière. Il y a une manière. Changez votre numéro si vous voulez. Élise, il change son numéro, c'est pas grave. Orange a tout ça, on a tous les preuves, c'est dans le dossier. Avec, il fait ça avec son nom, ce qui m'énerve. Je suis beaucoup fâchée ce soir parce que l'homme là sait que c'est lui qui a reçu l'argent. Les papiers prouvent. Et quand il demanda à Clarisse que vous pouvez m'envoyer les preuves, il intimidait. Il ne savait pas que Clarisse pouvait l'envoyer ça. Il ne savait pas que Clarisse, ça fait 2 ans et demi. Il ne savait pas que Clarisse a encore ça, le SMS là, que c'est lui qui a reçu. Quand j'ai mis dans mon mur là, c'est celui qui l'a pissé sur lui. Que merde, ils avaient ça. Oui, on a ça. On ne vous accuse de rien.
Vous vous pavanez pourquoi? Vous gesticulez pourquoi? On a dit que vous avez volé les gélules. Vous lui demandez quoi? Est-ce que vous me connaissez? Vous allez traiter la terre des gélules avec moi. Elle vous a dit non, monsieur. Je ne vous connais pas. On m'a donné un numéro pour envoyer l'argent. Et quand j'ai envoyé l'argent, le nom du numéro qui a apparu, c'était votre nom. Et c'est quand j'entends même parler de vous dans les réseaux sociaux qu'elle me dit que je connais que c'est vous. Elle ne vous elle te connaissait d'où? Tu es qui on te connaît? Quel Camerounais te connaissait? Papa, plus grand journaliste, tu as ta chaîne privée. Quel journaliste de quel Camerounais te connaissait? Je n'avais jamais entendu parler de mon cher et de moi. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, 15 ans, on connaît les Serge Tamba. On connaît les Dexter. On connaît les comment ils s'appellent encore là? On connaît tout le monde sauf toi. Je ne te connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Alors jamais, hein, mon chéri. Jamais. On connaît les Bruno Bijan. On connaît les Alain Dexter, les Tamba, ça veut dire que ceux qui ont fait du sale, qui ont écrit, les Gifouin, les Remingo, on connaît tout la bande là. On connaît, je n'avais jamais entendu parler de toi, chérie, de moi. Elle dit, mais forcer, comment tu peux forcer comme ça? On te connaît à cause des réseaux sociaux, des gélules. Tu sors là, Kounia, Kounia, que tu as commenté avec une gars. Quelle saleté d'un gars? Et les gars, que quand tu commentes avec eux, c'est dehors, tu te caches. Parce que maintenant, tu as l'étiquette que tu as commenté avec elle. Aucune vraie gars ne peut plus commenter avec toi. Parce que la qualité de Ngala, Mondomo, la qualité de Ngala, le nom Mondomo là est bon à elle jusqu'à, c'est bon à moi jusqu'à, c'est bon. C'est pas pourquoi Mondomo là c'est un genre, c'est un peu un genre là. Amogo était trop strict, Amogo fait trop charismatique, présidentiel, ministre, directrice générale. Mais Mondomo là c'est bon à moi jusqu'à, le Mondomo là j'ai aimé ça. Hein Marie Mangue, la terre est sale. Quelle stratégie ma chérie? Maman, c'est elle-même qui a pris. Je préfère vous dire la vérité. Hein. Il a enregistré Clarisse. Il lui dit bien qu'il va encadrer. Il parle le français des blancs. Il dit, je vais encadrer la conversation. Et il prend encore lui-même ses pieds. Il envoie Mondomo. Mondomo prend et pas même dans le Congo, ça vient. Elle veut du bien à cet homme. Toi-même, tu ne vois pas qu'elle ne te veut pas du bien. Ouais, tu ne veux pas qu'on entende ton nom, que tu brilles, que tu fais aussi un reportage. On dit que le reportage a fait boum. Le reportage Francis Ngannou, l'Afrique pleure. Le monde entier est fâché. Toute la terre entière a vu comment un chaos, bim. Maman Loga est parti comme ça. On a vu la victoire. Mais Pascal, il a la couleur. Il est Renoir. On a pris un autre. Mais ce n'est pas pour ça. En fait, Francis n'a pas gagné parce que c'est par rapport à cette compétition. Celui-là, le champion des champions, on ne pouvait pas faire ça. Mais ils savent que c'est Francis qui a gagné. Papa, c'est l'occasion de sortir, de faire un reportage qui fait souvent le buzz comme les Bruno Bidja. Ils font le reportage, tu entends ça comme ça sur Facebook, là, ça passe. Tu entends le reportage, tu dis que yes, le gars là parle, maman. Ta part, c'est où? Je n'ai jamais entendu ta part de reportage qui a fait bim. Prends aussi le cas de Francis là. C'est ça qui fait le buzz. Fais ta part de reportage. Laisse Clarisse. Rien de rien. Yann Menier. Fais ta part de bon reportage aussi, on entend. Laisse l'enfant d'autrui. Reportage Raoul Mbia. Maman, les journalistes comme ça qu'on entend leur nom. Raoul Christophe Mbia, les vrais journalistes. Il y a même aussi le journaliste là, comment il s'appelle encore là. Je l'aime bien aussi là. Il est brun comme ça, géant. Un gars de l'Ouest là. Il y a plein de journalistes là. On les connaît tous. On entend tous leur nom. On ne connaissait pas celui-là. Les gélules l'ont fait qu'ils sont, on entend partout que. Parce qu'on t'a nommé un nom. Tu penses que dans ta tête que tu es là-bas dedans. C'est comme ça, les chasser du ciel là. Voilà. Satan était là-bas avant qu'il descende sur la terre. Continue. Donc, famille. Vous me manquez beaucoup. Mais voilà, Eric Christian Nia. Oh, Péry le Lion. C'est quand tu veux. Hein. Voilà les vrais journalistes qu'on connaît. On a entendu des trucs. Ils ont fait des trucs, on a entendu. Ça fait bim.
Maman m'a aimé qui quoi. J'étais. Elle est. Ce n'est pas que c'est ma bon sabotage. Vraiment, sur la tête de Chilo. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Show business, Mayim. Tu n'étais même personne. Quand on écrivait l'histoire, moi, quand j'écrivais l'histoire, demande à ton alentour où tu laves les voitures dans les bureaux là, où tu nettoies les choses. Va demander. Quand j'écrivais l'histoire, tu étais où? À Sang, à Ebolova, à Bambis, à Djoum, au Carrefour Tamzo. Tu ramassais les rats pour venir vendre ça en bordure de route. Qui te connaissait? C'est quoi? Tu veux nous faire parler? Mon nom, on te pousse à faire n'importe quelle bêtise. Tu peux respecter le nom qu'on t'a nommé. On t'a nommé homonyme. Que je vois un truc qui me plaît. Je dis, bon, j'appelle ma fille comme ça. Ma fille s'appelle Lourdes. Ma fille s'appelle Lourdes. Tu crois que Lourdes, c'est pour son père? C'est la fille de Lourdes. Lourdes, c'est pour Dieu. Ma fille s'appelle Lourdes. Chilo, c'est Seigneur. Lourdes. On t'a nommé le nom. Parce que la fierté qu'on nomme à quelqu'un que vraiment, c'est notre Kanga, notre Punkuman, notre unique. On te nomme Watsona Lo. Dans ton cerveau, tu penses que tu es. Yen Nenye. Tu n'as pas pitié d'une femme qu'on a mangé tout son argent. Et qu'un homme, son frère comme toi, qui est un homme, a perdu son bras parce qu'il défendait la population. Pendant que tu es là, tu prends ton micro pour dire qu'il pleut en Vombi. Il pleut en Mokolo. Que le manioc ne se vend pas bien en Vombi. Et tu veux parler à qui? Ouais, non, à quoi besoin? Tu parles à qui? Prends ton téléphone et naisse encore. J'ai les méthodes efficaces. J'ai le français des blancs. J'ai les méthodes efficaces. Yen Menye. Mouf! Méthode efficace. Abimte. Hein? Mon continent. Pardon, laissez-moi. Non, ça me tue, ça. Il y a les trucs que j'ai envie de pleurer. Elle est Mayena Mayon. J'ai vraiment parfois. Je me demande que ça, c'est quoi ça? Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on devienne encore un peu baba comme en 1900 quoi là? Vraiment, que Waken, Wabimien, que tu te parles à qui? Je dis que si le mari déclaré t'arrête, même avec ça, il n'a pas le bras là. Il va te prendre le corps. Si tu sors de là, ce que vous avez fait à sa femme, il se lève encore avec ses vestes d'Ali Baba. Il va se mettre qu'à l'ordre. Oui, tu peux répéter le nom. Il répète le nom que le nom là, c'est ton nom. Voleur de nom. Il y a une manière que tu peux répéter le nom. Tu peux répéter. Les gars qui ne connaissent même pas le Gabon, pas Yena Aba Waltizé. Tu peux répéter le nom vendeur de rats de brousse en bordure du Carrefour Tamzo. Tu peux répéter le nom. Attends, Menaza Mazou. Je t'ai dit que menace-moi. Celui qui veut menacer Clarisse, il laisse Clarisse, il me menace. Celui qui veut insulter Clarisse, il laisse Clarisse, il m'insulte. Donc menace-moi. Vraiment ça. Et je vous ai dit, quand je suis en direct, ne m'énervez pas. Quelqu'un écrit un petit français des blancs là, vous l'atomisez. Il faut arrêter de laisser qu'ils veulent qu'on fasse comme on veut. On doit se taire. Ils ont mangé à l'enfant détruit tout son capital. On doit regarder. On les sort les preuves tangibles tous les jours, les preuves claires. Celui qui appelle Clarisse avant-hier, il menace l'enfant de tuer. L'enfant dit que me belebe, mais ça donne-moi alors. Il, comme elle n'a pas donné l'aide que je n'ai pas encore trouvé, il faut que je cherche d'abord. Il était sûr qu'il n'y a plus. Il prend l'enregistrement lui-même. Il en restait Clarisse. Toute la conversation que vous avez suivie là, c'est sûr qu'on ressent qu'il y a des allées de sang de là depuis des jours. Il prend, il envoie à Mondomo. Eh, Mondomo là est bon à moi jusqu'à. Le nom là me plaît jusqu'à. Il envoie ça à Mondomo. Mondomo prend pas mec dans Congo ça VIP. Et il dit que les méthodes. Mais c'est les méthodes là qui t'ont fait connaître. Si tu n'aimais pas ces méthodes, monsieur, tu aurais enregistré Clarisse. Si tu étais un homme pur et saint, tu l'aurais enregistré si tu n'aimais pas cette méthode. Est-ce que tu nous as vu mettre cet enregistrement sur les réseaux sociaux avant? C'est juste pour sa protection qu'elle a enregistré tout. C'est ça pour sa protection. Qu'elle en résiste tout. Oui, c'est pour sa protection. Mais elle ne devait jamais le mettre dehors. C'est toi qui prends, tu envoies Mondomo. Mondomo prend pas mettre à Congo ça VIP. Comme vous savez créer les murs pour insulter les Camerounais.
écrire l'histoire, votre histoire que vous nous attribuez. Non, nous ne sommes pas tous la poubelle de l'Europe. Nous sommes de l'Afrique, nous sommes la fierté de l'Afrique. D'une propre fière. Oui. Et la fierté de l'Europe, parce que l'Europe est fière d'avoir ce style-là. Vous savez, il y a black et black. Je ne suis pas leur style, moi. Tu vois les femmes qui sont larges de partout, qui n'ont pas de forme, qui se mettent en direct, qui disent, vous avez vu son visage, ici était comme ça, regardez chez moi, est-ce que j'ai ça? Les femmes que tu ne sais pas si c'est Minga, si c'est femme, vous voyez d'autres qui sont bizarres, les visages sont un genre, les nez partent de partout, vous vous asseyez, vous parlez de qui? Moi, je parle pas avec tout le monde, moi. Moi, je parle pas avec tout le monde, moi. Dans le monde, le monde camerounais, tout le monde le sait. Je parle pas avec tout le monde. Quand je suis devant, vous êtes assise au fond. Il m'est arrivé d'entrer dans des endroits où vous étiez assis. Quand je suis sur la plus grande table, vous êtes assise au fond à 100 euros la place. Parce qu'elle ne m'assoit pas à 100 euros la place. Je dors sur mon lit. Je fais à manger aux enfants. D'accord? Ouais. Il y a les wagons, il y a la locomotive. Ok? Alors, prenez vos téléphones. Demain matin, insultez. Je vous ai dit, laissez Clarisse. Insultez-moi. Ouais. Ouais. Insultez-moi. D'accord? Personne ne la menace. Menacez-moi. Ok? Menacez-moi. Insultez-moi. Laissez-la. C'est une jeune fille à peine, être, même pas majeure, qui élevait ses petits frères parce qu'elle avait perdu ses deux parents. Alors foutez-lui le camp. D'accord? Voilà. Monsieur, de votre part, en tant que grand homme, vous aurez pu vous dire, ben, d'accord, au lieu de l'appeler pour la menacer, je l'appelle pour lui dire, madame, je vous ai envoyé 200 000 francs. Voilà, c'est ma contribution, c'était la rentrée. Et j'espère que les enfants vont bien. Tenez bon, soyez forte. On appelle ça homme. Tu as 200 000. Tu as 200 000. Tu appelles la femme mariée de quelqu'un. Tu vas la menacer. Si bien que tu dis que tu as les méthodes. Si bien que tu dis que tu as les méthodes plus efficaces. Donc, yon wa bombo. Nga tchorna. Ou no martinez nga. Nti, attendez. Nous sommes en décembre là, non. Il va manquer 2024. Après 2024, c'est 2025. Hein? Abimte. Ce qu'on demande depuis là, on va se servir ça. Mais je vais te dire la vérité. On t'avait un peu attendu. Il fallait atterrir à Douala. Il fallait que tu passes le portail du secteur là. Et monsieur qui m'a écrit de la garde présidentielle, monsieur, je vais lire votre message en direct. Monsieur de la garde présidentielle, vous vous êtes permis de m'écrire. Je ne sais pas si c'est un faux profil ou si c'est vous. Je souhaite que ce soit un vrai profil. Vous savez la différence entre moi et certaines personnes, monsieur, je veux vous la dire. C'est que moi, on ne me la fait pas. Je ne mange pas de ce pain. Vous comprenez un peu? Je ne mange pas de ce pain, monsieur. Donc, faites trop attention. Je vous ai dit dans le message que quand vous me voyez en public venir parler de quelque chose, ça veut dire que j'ai les tenants et les aboutissants. Que j'ai des preuves. Parce que même quand Clarisse a voulu mettre le message, je lui ai demandé, Clarisse, petite soeur chérie, efface le numéro. Je le lui ai dit. Que floute le numéro. Je lui ai dit ça. Que mets le numéro, ne l'affiche pas. Parce que c'est pas, ça ne se fait pas. Elle m'a dit, d'accord, madame Stella. C'est marqué sur votre profil, garde présidence Cameroun. Vous mettez madame. Ayez toujours des éléments solides et vrais pour jeter les gens à la victime populaire. Les réseaux sociaux donnent certaines... Les réseaux sociaux donnent certaines intelligences à la force. Non, je suis la voix des sans-voix, monsieur, pour votre rectification. Je suis la voix des opprimés. Je suis la voix de ceux qu'on blâme. Mais quand arrive l'heure de faire face à la réalité, on se rend compte que l'on était dans l'erreur. Monsieur, je sors du continent et j'arrive.
Je ne suis pas dans l'erreur parce que je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez la différence entre vous qui écrivez ce message? C'est parce que justement ceux qui sont à côté de vous qui vous permettent de venir m'écrire ne vous disent pas la vérité. Avant de me voir en direct venir parler d'un sujet, c'est parce que je l'ai étudié. J'ai pris le premier bonjour et le dernier élan. Parce que c'est fini par les élans. J'ai eu le premier bonjour et le dernier mot insulte ou quoi avant de monter ça. D'accord? Maman Cristal Bokombo, écoutons seulement. Armez-vous suffisamment jusqu'au bout pour vous en prendre aux inconnus. Waouh, monsieur, vous me menacez? C'est son message là. Vous me menacez? Monsieur, vous me menacez? Je vous ai répondu, monsieur. Et je vais vous lire ma réponse aussi en direct. Écoutez-moi bien. Quand je poste ou quand je parle de quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut et qui va avec. Alors, pas avec moi. L'intimidation. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez bien lu ce que j'ai posté, vous n'allez pas m'écrire le français des blancs cordialement. Et je pense que le monsieur est revenu à la charge. Écoutez, hein, il me dit, à très bientôt, madame. À moi de lui répondre, à très bientôt, monsieur. À très bientôt même, monsieur. Alors, monsieur, votre profil montre que vous êtes un homme. Si c'est un vrai profil, je vous le dis encore. Il montre que vous êtes un homme en tenue. Comment pouvez-vous vous permettre? Comment pouvez-vous vous permettre? Et je suis sûr à 95% que c'est un faux profil. Monsieur, comment pouvez-vous vous permettre? Parce qu'il n'y a aucune photo de vous. Ah! Aïe! Non, j'ai une photo de vous, monsieur. Non, non, ce n'est pas une photo de vous. Non, 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 non. C'est des photos de... Ah oui, c'est un faux profil. C'est les photos des niais qu'il a mis comme ça. Les niais qui partent au front. C'est les photos en genre comme ça qu'il a mis là. C'est tout. C'est tous les photos là. Monsieur, vous savez, si vous étiez un vrai profil, vous n'aurez jamais écrit ça. Parce que je vais vous dire. C'est une femme. C'est votre femme, Clarisse, qui s'est fait manger 10 millions de francs CFA, 15 000 euros, par une femme qui vient en Europe. D'accord? Alors, le français des blancs, là, vous savez, quand vous voyez les influenceuses, personnages publics, blogueuses, il faut bien voir à qui vous écrivez le français des blancs que vous m'écrivez là. Ne vous perdez pas. Quand je viens parler de quelque chose, parce que je ne suis pas justicière ni juge, j'ai les tenants et les aboutissements. J'ai les messages, monsieur, envoyés, réception. Vous savez, le numéro de votre frère, parce que là, vous venez défendre votre frère, animateur ou journaliste en carton, Mayumeki. Le numéro qu'il a appelé Clarisse Yinga, avant-hier, première menace, parce que la deuxième menace, c'était aujourd'hui. Il a pris un autre numéro pour la menacer aujourd'hui. Pour lui demander, je vous avais menacé. Vous partez dire là-bas que vous avez menacé. Je vais donc vous menacer correctement. Il a dit ça. Hein? C'est sur mon mur. Hein? Il y a le message. Hein? Allez lire. Après moi, là, vous serez choqués. Allez sur mon mur, vous lisez. Ce sont ces messages. Il lui dit bien maintenant. Monsieur. Donc, ce monsieur n'a jamais été cité comme avoir volé des gélules. Il n'a jamais été cité comme avoir mangé même l'argent. Il a été cité comme celui qui avait le nom pour la réception. Vous avez payé les 100 000 à qui? Il y a les preuves d'envoi et de réception. Il y a les preuves d'envoi d'argent de France par la pisseuse et que Clarisse recevait. Il y a les preuves que Clarisse envoyait et recevait. Les 100 000 aussi envoi étaient là et c'était son nom. Et c'est sa maîtresse qui l'amène sur les réseaux sociaux. Donc vous, si vous existez,
si vous êtes vrai, un homme en tenue, votre frère a perdu son bras droit parce qu'il fait ce que vous faites, parce que vous êtes des vrais hommes. Il défend le pays. Vous avez prêté serment pour défendre la patrie, votre pays, le peuple. Donc vous êtes un homme comparé à cette tapette que vous voulez défendre dans mon mur. Vous pensez que vous, votre frère, qui a perdu son bras droit, et que sa femme, vous connaissiez, vous les hommes en tenue, comment les femmes vous traitent souvent, quand vous partez au fond, vous connaissez, parfois vous venez, vous ne les retrouvez pas, qu'il a toujours attendu, qu'il a respecté, la mère de ses enfants, c'est pas un, pas deux, moins trois, crée son fonds de commerce parce qu'elle n'attend pas tout de vous. Une femme qui se bat pour rapporter aussi dans la maison, alors que la plupart dorment et attendent que vous allez au front, vos primes, vos missions. Elle s'asseye, elle mange avec les petits gars au quartier quand vous partez. Une femme digne, respectueuse, posée, calme. Qui est la femme de votre frère en tenue qui a perdu son bras au nozo pendant qu'il défendait le peuple comme vous faites. Vous pensez que c'est normal qu'une femme qui vit en Europe mange son argent et ça fait 2 ans qu'on la traumatise et que son copain vient encore rajouter pour l'appeler. Vous, un homme, si un homme appelle votre femme pour la menacer, vous allez prendre ça comment, monsieur? Vous, un homme, si votre femme, un homme appelle votre femme pour la menacer quand vous êtes là, vous allez prendre ça comment, monsieur? Expliquez-moi comment vous le prendrez. Parce que je crois que les hommes parlent entre eux, non? Les hommes qui ont vraiment l'air de mimbang. Ils parlent entre eux, les hommes. Un homme n'appelle pas une femme pour menacer quand son mari parle à son mari. Votre frère qui a perdu son bras droit, on menace sa femme, on estroque sa femme. Si c'était 1 million, on pouvait dire que non, je lui aurais remboursé ça depuis et je ne sortirais pas parler comme ça. Même comme c'est 10 millions, si elle avait un comportement différent, on aurait temporisé et dit qu'on s'entend. Et je vais dire à Clarisse, c'est pas grave. Ok, tiens, moi, je peux te donner ça. Elle t'a donné ça, laisse passer autre chose. Mais quelqu'un qui dit qu'elle est forte, elle vous lance le défi à vous, que venez donc m'arrêter. Nous voici donc à l'aéroport, arrêtez-moi. Et vous prenez votre main de panaret, vous écrivez sur mon mur le français des blancs, comme si vous voulez m'intimider, moi. Un homme peut menacer votre femme, vous, un homme en tenue. Vous acceptez ça? Non. Un homme qui a deux trucs en bas ne peut pas accepter qu'un homme menace sa femme, c'est qu'il n'est pas un homme. Ouais. Les hommes parlent entre les hommes et les femmes entre les femmes. D'accord, monsieur? Alors, sur ce, ne vous perdez plus de mieux. Vous perdez plus de mieux. Moi, on ne m'intimide pas. Parce que je suis une femme, mais j'ai le caractère. Je suis un homme, quoi. Ouais, dans la peau d'une femme. Charismatique, je le suis. Je bouge devant rien. Et je prends mon temps pour bien sauter. Et là, le saut, là, l'atterrissage serait impensable. Sur ce, mes sœurs, je sais, les temps sont très durs et c'est encore de plus en plus dur. Je vous les avais dit. On avait parlé de ça. Il y a 1 an et demi, on parlait de ça. Mais vous savez, c'est quand c'est dur comme ça et que vous arrivez à vous en sortir, qu'on sait que vous êtes une lionne, une tchétchène, un conteneur de femmes. Vous allez continuer à le faire pour mes enfants que vous avez dans vos maisons, qui vous rendent fous et folles. Pour ces hommes qui nous manquent de respect en longueur de journée, qui nous humilient, qui nous méprisent, alors que nous leur donnons leur place. Je ne dis pas que la femme est fidèle à 100%, mais s'il arrive qu'elle parte même faire un truc, elle va aller se cacher en derrière de la maison et faire son truc et revenir essuyer sa bouche. Elle ne se met pas devant tout le monde entier pour dire que mon gars, bon, comme celle qui nous dit qu'elle est polyante. On appelle ça les erreurs de l'histoire. Alors mes soeurs, gardez votre fierté, votre dignité. Qu'on ne vous l'enlève pas pour rien au monde. Gardez les valeurs que nos parents nous ont apprises. Nous ne sommes pas européens, nous sommes africains. Et nous avons des valeurs. Au plus profond de vous, gardez ça. Qu'ils disent ce qu'ils veulent sur vous,
on ne peut pas parler de vous quand il ne vous talonne pas. Il n'y a pas match. Moi, c'est la seule chose que... Vous allez vous demander comment Porsche Cayenne fait pour être toujours debout, rayonnant. Tout le temps, vous me demandez ça, comment tu fais? Mais vous voulez parler avec les gens qui ne jouent pas dans votre cour. Mais chérie, ce n'est pas possible. Ça se passe dans votre tête. Vous êtes mieux que toutes ces saletés-là. Je vous l'ai toujours dit. Beaucoup d'entre vous sont même mieux plus que moi. Ne pensez pas que c'est parce qu'on vient se mettre devant vous. On a tous les problèmes. Les problèmes. Vous venez de voir l'exemple typique de nous vivons avec la victoire de Francis Ngannou. Ce n'est pas un exemple planétaire. C'est de ça que je vous parle tout le temps. On n'a pas le choix. Voilà. Alors sur ce, continuez tout fort, ne baissez pas les bras. Parce qu'un matin, vous aurez votre récompense. Quelles qu'en soient vos pleurs, vos souffrances, vos tristesses, votre amertume, vous finirez par avoir une récompense. Il y aura votre Bill Gates qui essuiera votre larme et qui fera quand même qu'on parle de vous et vous donner la petite lumière. Alors, je vais partir en vous demandant d'embrasser mes enfants que vous avez dans vos maisons. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Quel qu'en soit ce qui peut se passer. Ils nous rendent folles, oui. Ils sont difficiles, oui. Parfois, ils sont impossibles, oui. Vous vous demandez si c'est vous qui les avez accouchés, oui. Mais c'est votre cordon. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez tous les soirs avant de dormir. Quand vous êtes fâchés, faites un effort d'enlever la parole. Et dites-leur que vous n'avez que eux. Et continuez à patienter jusqu'à ce que... Parce que l'homme peut partir. Nous, on ne peut pas partir, c'est pour nous. Et on va porter ça au dos. C'est ce que Dieu nous a donné. Je vous embrasse partout où vous êtes avec mon cœur. Pas avec ma bouche. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Et quand ils sont grands, ils sont dehors. Appelez toujours. Vous êtes où? Vous êtes rentré. S'il te plaît, rentre. Fais attention au volant. Tes amis, ne fais pas ce qu'ils font. Parlez toujours. D'accord, mes soeurs? Je vous embrasse très fort. Vous aussi, vous me manquez beaucoup. Mais il faut que je travaille un peu fort. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Vous avez vu, mon anniversaire est passé. Je n'ai même pas posté parce que je n'avais pas envie. Je voulais faire une petite quête pour Mbankoumo. Mais après, j'ai dit non, moi, je vais aller, je vais faire une grande partie. Je n'avais pas envie de parler de ça. J'ai besoin de recul. C'était pas cette pisseuse. Je sortirai juste parler avec vous des enfants, de vous et tout et tout. Mais me taire, c'est comme une lâcheté. Parce qu'elle se met devant le monde entier pour mentir. Et ça me blesse. Donc, vous êtes des bonnes personnes. Seulement parce que vous les élevez. Seulement parce que vous vous battez dans la vie. Merci ma chérie Nat. On se dit à bientôt là-bas, j'arrive. Seulement parce que vous vous battez partout où vous êtes. Vous êtes Eliane. Vous êtes forte. Vous êtes des Tchétchènes. Vous êtes des conteneurs de femmes. Bisous partout où vous êtes. Quand je parle comme ça avec vous, je pense à des sœurs que je parle. Je pense à ce qu'on vit. Parfois, j'ai les frictions au cœur. Si je pouvais certaines choses, je le ferais. Mais bon, mais faites attention à vous, s'il vous plaît. Et faites attention à mes enfants que vous avez dans vos maisons et à vos enfants. Embrassez-les de ma part. Dites-leur que Tata Porsche-Cayenne dit que vous nous laissez tranquilles. Parce que le dehors ne sent pas bon. Bisous partout où vous vous trouvez. Et puis à bientôt. Merci, love.